Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Daniel. Ravi de te revoir ici Thomas. Bah écoute, je suis ravi aussi d'être réinvité après avoir essuyé les plâtres lors de la première émission. Je Exactement. Vois qu'il y a un peu de moyens, il y a plusieurs caméras, donc je suis ravi de nouveau d'être dans Vive l'Europe. Bah oui, tu as lancé l'émission, tu as été mon premier invité. Pour ceux qui nous regardent depuis le début, rappelez-vous, un très bon souvenir, une excellente émission qui avait bien plu d'ailleurs. Et depuis, eh bien, à l'époque tu étais secrétaire général du Parti de la France, maintenant tu en es le président. Voilà. Bah, félicitations. Bah, merci. Je suis très content pour toi. Je pense que tu le mérites, que tu vas être un très bon président. Bah, je vais tâcher de le l'être, en tout cas. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Tu as succédé à Karl Lang à la fin de l'année 2019, ça? Oui, voilà. On a eu un congrès le 30 novembre. Oui. Disons que ça a été validé, puisqu'il n'y avait pas d'autres candidats que moi à la présidence. C'est une succession qui s'est faite. Voilà, c'est une transmission, on va dire, puisqu'il n'y a pas eu de divergence politique, de divergence personnelle avec Karl Lang. Il a juste souhaité, pour des raisons qui lui appartiennent, prendre du recul après plus de 40 ans d'engagement politique au sein de la droite nationale, à des fonctions assez relativement importantes, puisqu'il a été par deux fois secrétaire général du Front National, à l'époque où c'était véritablement un parti de droite nationale, et il a souhaité prendre du recul, et il a voulu évidemment transmettre la présidence, il a voulu que ça continue, et donc j'ai accepté disons que j'étais le candidat naturel à sa succession, et également, puisque bon, c'est pas tout seul que je gère le Parti de la France, et avec une direction nationale renouvelée, puisque la personne qui me remplace au secrétariat général, c'est Bruno Hiroux, qui est investi aussi au Parti de la France depuis longtemps, qui fait beaucoup d'actions militantes et qui là aura en charge le secrétariat général et aussi un poste de délégué général qui sera plus axé sur la communication politique et la production de propagande politique, de programmes politiques. C'est Jean-François Touzet, donc à la délégué général du Parti de la France, dans un souci d'efficacité, de répartition des tâches, et également le bureau politique qui a été rajeuni. D'accord. Alors, avant qu'on parle de ta stratégie en tant que président, de tout ce que tu vas faire là pour jusqu'à prendre le pouvoir, Thomas, et quelques mots sur Karl Lang, en fait. Comment tu définirais en fait sa présidence, le style qu'il a imprimé au Parti de la France? Qu'est-ce que tu retiens de son travail, en fait? Bah, Karl Lang, c'est un homme de conviction. Quand il a fondé le Parti de la France, il savait très bien, il avait déjà prévenu tout le monde, on savait très bien qu'on allait être dans la marginalité électorale. Les médias nous ont bien aidés aussi, puisque autant lors de la scission maigrettiste en 1998, les médias s'étaient précipités pour justement médiatiser cette scission, avec, on ne parlait à l'époque en 98 que du Front National tous les jours avec la scission. Donc Bruno Maigret avait eu, parce que ça arrangeait en fait le système, qu'il y ait une implosion du Front National. Tandis que là, vu que le Front National n'était pas en grande forme, c'était en 2008-2009, après l'élection présidentielle décevante et les élections législatives décevantes de 2007, il était important, sachant que Marine Le Pen arrivait petit à petit à avoir les pleins pouvoirs au sein de l'appareil, qu'elle était de mèche avec les médias, qui avaient trouvé très bien que Marine Le Pen accède à de hautes fonctions au sein du Front National. Nous, on a eu un boycott médiatique total, c'est-à-dire absolument total. Et des journalistes nous l'ont dit, oui, effectivement, on a reçu des consignes, on ne doit absolument pas parler du Parti de la France. Et on peut dire qu'ils ont respecté les consignes, puisque toujours maintenant, absolument jamais, nous ne sommes invités dans des médias nationaux. Jamais, absolument. Alors que, bon, je ne dis pas qu'on fait des gros scores électoraux, mais en règle générale, nos candidats font entre 2 et 3 %. Oui. Bon, bah voilà, par contre, mieux que M. Philippot, par exemple. Oui, et d'autres candidats en exposition. Et toujours invité. Ouais. Et on voit régulièrement dans des émissions des gens électoralement qui ne représentent rien, qui ne représentent personne. Ouais. Non, je pense que les médias ont peur de notre discours. Ils ne veulent pas entendre parler de colonisation migratoire et islamique. Ils ne veulent pas entendre parler de remigration. C'est pour ça que nous ne sommes pas invités dans les médias. Donc, Karl Lang savait très bien qu'on allait être marginalisé. Oui. Et il a continué le combat national sur une ligne de droite nationale, fidèle aux valeurs fondamentales du Front National, fidèle à ce pourquoi nous nous sommes engagés en politique. Et tous les griefs que l'on avait pu faire sur le Front National à l'époque se sont révélés vrais. C'est vrai.
puisqu'ils ont été jusqu'à changer de nom, ils ont expulsé le fondateur et le père de la présidente comme un malpropre, oui. Jean-Marie Le Pen. Écoutez, ils ont fait exactement, peut-être même pire que ce qu'on aurait imaginé, parce qu'on n'imaginait quand même pas que Mme Le Pen aurait réussi à ruiner son parti, qui est maintenant en quasi-faillite, et qui va être mis en cessation de paiement. Un parti qui n'a jamais touché autant de subventions publiques qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, ils ont réussi à ruiner un parti qui a des millions d'euros de subventions publiques tous les ans. Donc voilà, ça s'est révélé encore pire. Alors, au niveau des idées, voilà, c'est un ouais. parti politique qui s'adapte à la décadence, qui s'adapte à l'immigration et qui ne représente plus du tout un courant de pensée national tel que c'est nous le connaissions du temps du Front National. Les gens qui votent pour le Rassemblement National, pour souvent faute de mieux, c'est parce qu'ils en ont marre de l'immigration. Mmh. Ils n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qu'on entend de la part du Rassemblement National ? Ils sont encore dans un logiciel de pensée qui a 30 ans de retard sur une sorte d'assimilation des millions d'afro-musulmans qui seraient aujourd'hui en France. Oui. Ce n'est plus possible. Mmh. Là, on en est à situation... Quand la situation se dégrade de plus en plus, il faut des solutions radicales. Et la meilleure solution, c'est la remigration de la plupart de ces étrangers extra-européens qui sont incapables de s'assimiler. Ce n'est pas possible. On a essayé, des milliards ont été déversés dans les zones afro-musulmanes qui sont maintenant des zones de non-droit. Ça n'a pas fonctionné. Eh bien maintenant, une chose va fonctionner, c'est la remigration. Ouais. Bah, je dois dire, bah, je voudrais faire mon mea culpa, Thomas, parce que c'est vrai qu'en 2016, quand tu es venu sur le plateau, j'avais une position de mariniste. Et je pensais à l'époque, pour être franc avec toi, qu'il y avait une forme de jalousie de la part de partis qui faisaient des scores moindres que le Front National en critiquant Marine Le Pen. Mais je dois reconnaître que toutes les critiques qui étaient faites de Marine Le Pen par la droite nationale que tu incarnes avec d'autres étaient vraies. En fait, ce sont avérées vraies. Tout ça a explosé le jour du débat et ça a continué ensuite parce qu'elle a continué sa stratégie en reculant en plus sur des sujets. Par exemple, je crois que maintenant, ils ne sont même plus contre le mariage homosexuel. Ah oui, oui, là, ça fait... Bah, disons que... ils sont un peu jugés partis pour beaucoup dans cette affaire, donc forcément. Ouais. Oui, effectivement, on peut entre guillemets, elle nous a pas déçus, quoi. On va dire, elle était exactement. Mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu continuer au sein du Front National, parce qu'on savait très bien que, déjà d'une part que les dés étaient pipés pour la succession de Jean-Marie Le Pen, et on savait très bien ce qui allait arriver. Mmh. Et on ne voulait pas être cautionné ni être complice de cela. D'accord. Alors, tout à l'heure, je parlais comme en plaisantant d'une prise de pouvoir, mais au fond, c'est toujours notre but, nous voulons obtenir le pouvoir. Mais quelle est la marge de manœuvre, par exemple, pour un président comme toi de parti national ? Comment on peut, on va dire, exprimer une ligne, une stratégie, sans avoir de problème avec la justice, en pouvant convaincre des gens ? Enfin, comment... Alors, c'est certain que le fait d'être boycotté médiatiquement et d'être épié, surveillé par la justice politique française, c'est certes compliqué, oui. Mais il faut tenir la ligne. Et déjà, participer aux élections quand nous le pouvons, mais également aussi avancer à visage découvert, mm-hmm. C'est-à-dire et utiliser les moyens de propagande que sont Internet, par exemple, ouais. Qui nous permet de diffuser, mais de moins en moins, puisque les réseaux sociaux, la censure veille, hein, Zuckerberg ouais. veille à ce qu'il n'y ait pas de politiquement incorrect ouais. et sulfureux sur son réseau social et sur d'autres réseaux sociaux. Mais voilà, il faut continuer et tracer le sillon. Voilà, c'est ce que disait Karl Lang. Il faut continuer à dire la vérité aux Français et à proposer véritablement des solutions pour en finir avec ce marasme identitaire, économique, social, moral qui mine la France. Il faut continuer, il faut poursuivre. Le Front National a une longue traversée du désert. Je ne dis pas pour autant qu'on attend le moment en disant ça va se déclencher, mais en politique, tout peut changer très vite. Les événements peuvent se précipiter. Il peut y avoir une crise, qu'elle soit économique, sociale, raciale, il peut y avoir tout ce genre de choses qui peuvent faire que, justement, un parti politique ou certaines personnes qui jusqu'alors étaient complètement écrasées par le blackout médiatique puissent surgir au milieu de tout cela.
Ce qui est certain, c'est que si une formation politique n'est pas prête à relever ce défi, il ne se passera rien. Oui, oui. C'est pas d'un seul coup qu'on va aller chercher un tel ou un tel. Et je ne crois pas non plus que se recroqueviller sur soi-même, que le groupuscularisme soit la solution. Mmh. Je n'ai rien contre les organisations, on va dire, militantes, pour de débats d'idées, de métapolitiques ou d'activisme militant. Mais je pense qu'il faut s'adresser aux Français. Il faut s'adresser aux gens qui s'intéressent à la politique 5 minutes par an, juste avant les élections, qui ne savent pas pour qui voter. Il faut s'adresser à tous ces gens qui, malheureusement, subissent le matraquage médiatique, le matraquage de la pensée unique, mais qui sont suffisamment lucides pour s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas en France. Et c'est le rôle du Parti de la France, justement, de toucher ces gens-là, avec les moyens que nous avons, avec les moyens de propagande, mais de continuer d'être là, d'avoir des militants et des cadres formés qui, le jour venu, s'il y a besoin, que nous puissions être un recours politique pour les Français. Des gens qui apprécient le Parti de la France me demandent souvent, en me disant, c'est dommage, on aimerait qu'il soit plus présent au moment des élections. On peut parler aussi du coût, parce que se présenter aux élections coûte beaucoup d'argent, en fait. On aimerait être présent, c'est pas parce qu'on veut pas y aller, c'est en fait parce qu'on n'a pas les moyens d'y aller. On pouvait encore aller aux élections régionales en 2010, il y avait plusieurs listes régionales, mais maintenant qu'ils ont fait les grandes régions, une élection régionale coûte, avec le matériel officiel de campagne, parce que là, on parle que de matériel officiel, on parle pas de petits fours et de champagne comme au Rassemblement National qui font passer dans les frais de campagne. Non, c'est pas ça. On parle juste du matériel, parce que nous, on n'est pas sûr de faire 5%. Pour l'instant, on franchit très, très rarement la barre des 5%, ce qui fait que le matériel officiel n'est pas remboursé. Et ça coûte une fortune. Voilà, bon, on n'a pas 50 000 euros à mettre. On n'a pas ça dans les caisses à mettre pour une élection régionale. On se présente là où on peut, quand on peut. Au municipal, on se présente, on a quelques listes, on soutient d'autres listes. Et avec nos petits moyens, ben on essaye d'être là. Voilà, on est en phase, on va dire, de guérilla électorale. Et on essaie d'aller là où on peut. Mais on ne peut pas aller sur des élections. Alors, il y a les élections présidentielles, celles qui intéressent le plus les Français. Mais là, le problème n'est pas tant financier. Quoique, pour la recherche des signatures, il faut quand même... Oui. C'est très, très compliqué. Mais le problème, c'est le blocage, le verrou républicain des 500 parrainages, qui fait que, parce que les parrainages, il faut aller les chercher par des militants formés, on n'envoie pas n'importe qui démarcher les maires, démarcher les élus, et également ça a un coût, on va rembourser le type qui va faire tout le tour de la Creuse en voiture. Déjà, il faut qu'il prenne sur son temps, il ne peut pas travailler en même temps, et en plus, il faut lui rembourser au minimum ses frais. C'est très très compliqué, il ne faut pas croire que les signatures, on va les avoir comme ça, et que les maires, qui sont de plus en plus lâches pour beaucoup, qui disent, moi je ne fais pas de politique, je ne donne pas de signature. On dit, oui mais monsieur le maire, ça fait partie de la loi, vous devez. Donc, je pense qu'on devrait peut-être aussi obliger les maires à parrainer au moins un candidat. Vu qu'il y en a 36 000, au moins, il y aurait de possibilités. Mais beaucoup refusent de le faire, refusent de remplir leurs devoirs. Donc, c'est très compliqué pour un parti politique qui n'a pas ou presque pas d'élus. Et on part à la recherche de 495 signatures, par exemple. Donc là, c'est très, très compliqué pour nous de participer à une élection comme l'élection présidentielle. On essaye à chaque fois aux législatives. Qui suivent, parce que les législatives peuvent entraîner un financement public, alors, je vous rassure, très très peu, mais qui permet de faire vivre des petites structures. Pour l'instant, nous ne vivons que de dons, que de l'argent des adhésions. C'est pour ça que j'insiste aussi auprès de nos militants, nos sympathisants, d'adhérer, puisque maintenant, avec Internet, ils ont accès à toutes les informations du parti, qu'on soit adhérent ou qu'on ne le soit pas. Mais c'est un geste, on va dire, de soutien financier au mouvement, et qui nous permet... par exemple, d'aider des gens à se présenter aux élections municipales en leur finançant leur liste, leurs documents, et aussi que le matériel de propagande soit gratuit pour nos militants. Ce qui est très rare au sein des différents mouvements politiques. Souvent, les militants sont obligés de payer. Eh bien, nous, on ne fait pas payer. Même quand il y a des réunions, on évite de faire payer les gens. Et ça, c'est grâce à l'argent des adhésions et des dons. D'accord. Bah, c'est important que tu le signales. C'est intéressant aussi d'avoir le contre-champ du travail à effectuer pour obtenir des signatures. C'est vrai que les gens se demandent toujours, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 500 signatures? C'est qu'il faut vraiment y aller au charbon. Ah oui, oui, mais c'est horrible. C'est horrible parce qu'on est obligé de démarcher des maires. Le pire cas de figure, c'est le maire qui dit bah oui, mais je suis d'accord avec vous, parce que moi j'avais été rechercher des signatures pour Jean-Marie Le Pen en 2007. Et il dit oui, mais vous les aurez, à chaque fois vous les aurez. Bah, je dis oui, mais si tout le monde raisonne comme vous, on les aura pas. Et en fait, il dit oui, mais bon, je voterai pour vous, hein, moi j'ai toujours voté Le Pen, mais je donne pas ma signature, parce qu'ils ont peur de donner leur signature, peur du candidaton. Et également, quelquefois, faut parler pendant des heures, et après, et finalement qu'ils ne veuillent pas, qu'ils soient menacés par ses adjoints, par leur bonne femme, par
leur fille, pas leur fou, fils, hein. qui sont gauchistes. Ben voilà, c'est terrible. Donc, on perd un temps inimaginable à la recherche des signatures, on perd du temps, de l'argent, et pendant ce temps-là, on ne fait pas campagne. Ouais. Sauf que les grands partis politiques, ils ont déjà tellement d'élus qu'ils ont les signatures mais déjà d'office. Ouais, tout à fait. Donc, pour, c'est certain que... Les dés sont pipés, en quelque voilà, sorte. Voilà, les dés sont pipés. Alors après, par contre, une fois qu'on a les 500 signatures, on a à peu près 800 000 euros pour faire campagne. Ah, c'est-à-dire ouais. que là, il n'y a pas de problème oui. véritablement financier. Ouais, ouais. Après, bon, il faut remplir bien ses comptes de campagne, sinon on se fait... on se retrouve avec... Il y en a qui... Bruno Maigret qui s'est fait refuser ses comptes de campagne, qui a dû payer... et puis il y avait... comment il s'appelait Chinardi Oui. Oui, bah lui, il s'est fait refuser ses comptes de campagne, il a eu 1 million d'euros à rembourser. Bon, voilà. Mais, ça fait mal. Mais l'État donne... Et l'État paye le matériel de, officiel, c'est-à-dire les bulletins de vote, les professions de foi, et les affiches sont collées par l'État. Voilà, donc c'est-à-dire que le barrage, véritablement, ce sont les 500 signatures. Cette frontière, mais voilà, soyons clairs, si le système a décidé que vous n'aurez pas les 500 signatures, vous n'avez pas. On les tape pas. Ouais, voilà. Ouais, c'est certain. Voilà, c'est un peu un secret de polichinelle. Oui. Que ce soit en 2002 ou en 2007, la recherche des signatures était bloquée pour le candidat Jean-Marie Le Pen. Et d'un seul coup, ça s'est débloqué parce qu'en haut lieu, ils ont décidé. Voilà, ils ont dit. Vous, d'accord. Ouais, mais voilà, ils peuvent. Le système peut empêcher un des candidat. En plus, un candidat à l'époque, comme Jean-Marie Le Pen, qui était quand même un candidat en 2007, il avait fait le deuxième tour en 2002, c'était bloqué. Voilà. D'accord. Et parce qu'ils peuvent tenir à partir du moment où ils lâchent, ils disent bon c'est bon, on envoie, puis d'un seul coup comme par hasard il y a des parrainages de maires qui arrivent un peu de n'importe où, une vingtaine de Corses par exemple il faut savoir que c'est un verrou républicain pour empêcher aussi l'émergence de nouvelles forces politiques. Je pense que beaucoup de nos spectateurs seraient prêts à payer cher pour te voir en débat de premier tour contre certains candidats du système. Ah bah j'aimerais bien, hein, mais même celui du deuxième tour, je suis sûr que j'arriverai à faire mieux que Marine Le Pen. Ça, j'en doute pas. Mais bon, voilà, c'est pas trop dur, je mets pas la barre très haut quand même. Non mais ce qui est fou, c'est que même sans aller très loin dans la radicalité, en disant des choses de bon sens qu'on se dit toi et moi au café, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui diraient mais c'est le premier mec que je vois qui dit ça. Parce que c'est des choses qu'on n'entend pas à la télé. Je pense que c'est ça aussi que les gens recherchent. Ils ne recherchent pas une candidate du camp national qui va se prosterner aux pieds de la bien-pensance médiatique, qui va essayer de ne surtout pas fâcher le journaliste gauchiste qui est en face d'elle. Et les gens ont envie d'entendre la vérité. N'ont pas envie d'entendre que l'islam est compatible avec les valeurs de la République. Oui. Déjà, les valeurs de la République, qu'est-ce que c'est, les valeurs de la République? Elles nous ont protégés de quoi jusqu'alors? De rien du tout. Justement, je pense qu'ils ont besoin que quelqu'un dise ce qu'il pense dans la stricte limite de la légalité, bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'il faut avoir un discours offensif. On est en phase de submersion démographique et de colonisation islamique. Et ben, je pense qu'il faut taper fort là-dessus, parce que ce sont des choses que les gens vivent, que les gens ressentent. Et je pense que la représentante ou le représentant du camp national doit être en phase avec son électorat là-dessus. C'est vrai que quand tout à l'heure tu critiquais l'assimilation, c'est ce que les gens doivent bien comprendre, c'est qu'on a l'impression que c'est une stratégie qui arrive 30 ans trop tard. On pouvait peut-être la tenter quand l'immigration était réduite au strict minimum, mais aujourd'hui ça n'a plus de sens. Bien sûr, mais de toute façon l'assimilation de peuples très différents, de cultures ou de religions différentes est possible. Comme ça pouvait l'être au début du XXe siècle. Oui. Moi, je suis pas là à dire qu'il faudra expulser jusqu'au dernier carteron d'Africain. C'est ridicule. À mon avis, il est possible que des extra-européens puissent s'assimiler. Je parle bien d'assimilation et pas d'intégration, de s'assimiler, c'est-à-dire se fondre dans le creuset national, même s'ils sont très différents, mais à partir du moment où ils sont ultra-minoritaires, à partir du moment où ils ne représentent que quelques dizaines de milliers répartis sur le territoire français. De toute façon, on aura toujours des extra-européens, comme on aura toujours des blancs qu'on va retrouver au fin fond des pays africains, au fin fond d'un village, des sortes de missionnaires ou de... Enfin bon, voilà, ça existera toujours, mais il faut que ça reste marginal. De toute façon, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne nulle part, le multiculturalisme, ça ne fonctionne pas, et ça représente surtout souvent un danger pour les peuples autochtones. Oui. Donc voilà, il est clair qu'il faut procéder au rapatriement massif
de la plupart des extra-européens en France. Mmh. C'est clair, c'est pas possible. La France Black Bomber ne fonctionne pas, on le voit. Les communautés n'ont jamais été aussi communautarisées, ghettoisées, agressives, revendicatives. Et au milieu de ça, il y a juste les Blancs qui ont le droit de fermer leur gueule. Ouais. Donc voilà, ça, c'est pas possible. Et justement, il faut qu'il y ait des défenseurs de ce peuple gaulois, de ce peuple blanc, au sein de la scène politique française, du casting politique français. Ouais. Quand on voit des débats sur des chaînes sur l'immigration, quelquefois, on voit qu'il n'y a pas un Français de souche qui va parler. Donc, c'est des étrangers qui parlent en notre nom. Non, vous ne pensez pas qu'il y a des Blancs, qu'il y a des Gaulois qui pourraient parler au nom des Gaulois? C'est insupportable quand on regarde des chaînes comme BFM TV, où on voit, même après chaque attentat, on voit des afro-musulmans qui parlent des attentats, ils parlent entre eux de nous. Alors que nous, on est exclus de l'équation. Bon, on est juste bon à être victime des attentats. Mais c'est quand même assez incroyable. Donc, l'illustration parfaite de ce que tu dis, c'est le clash qui a fait beaucoup de vues entre Bellatar et Messia. C'est-à-dire, on dit, eh oh, nous on a quelque chose à dire, on voilà, est ici. Voilà. Même si Jean Messia dit des choses tout à fait intéressantes, je veux dire, bon, voilà, c'est bien, on a l'exemple d'un Égyptien copte qui est assimilé. Voilà, certes, très bien. Le choix de mettre Messia en avant au RN n'est pas anodin. Systématiquement en avant, systématiquement. C'est vrai. Voilà, donc le but, c'est là, je veux dire, c'est pas Patrick Juvet, où sont les femmes, j'ai envie de dire, mais où sont les Blancs? Sont les Gaulois, quoi. C'est vrai. Alors, quel regard tu as porté sur les dernières élections européennes avec la présence de listes comme celle de Camus ou de la Résistance française? C'était la première fois que le mot remigration avait une place, par exemple, dans les clips de campagne. Alors, bien sûr, ça a été un échec électoral auquel on s'attendait. Est-ce que tout de même, tu as trouvé ça satisfaisant de voir qu'on avait une petite représentation avec ces partis-là? Chaque mouvement agit comme il le veut. Oui. Nous, au Parti de la France, on ne fait pas de la politique virtuelle. D'accord. C'est-à-dire que, sachant qu'on s'était déjà présenté aux élections, on ne voulait pas faire en fait une liste virtuelle pour laquelle les gens n'auraient pas pu voter, puisque... Que signifie liste virtuelle, pour expliquer aux gens? Je dis une liste virtuelle, c'est-à-dire une liste sans bulletin de vote, oui, et sans profession de foi, et sans affiche sur toute la France. Oui, il fallait imprimer son propre bulletin pour voter. Oui, voilà, donc forcément, ça fait un score marginal, mais bon, ça permet de faire part des deux. Mm. Les camarades de la dissidence française ont fait une liste, ils ont pu faire part des deux, effectivement, parler de remigration, oui, mais bon... Honnêtement, c'était noyé au milieu. Ça n'a intéressé que les gens du milieu. Oui, parce que oui, c'était noyé au milieu de plein de listes. Je ne sais plus combien il y avait de listes. Il y en avait presque une trentaine. Enfin, je crois 34 ou un truc comme ça. Bon, voilà, c'est une petite opération, mais qui n'a intéressé que les gens, on va dire, déjà convaincus du milieu. Je doute que ça ait attiré des gens. Surtout que les élections européennes, en plus, ne sont pas des élections structurantes de la vie politique française. Donc nous, il était hors de question, parce que le coût, à peu près, était d'1 million d'euros. Donc d'une part, on ne les avait pas, on avait à peu près la moitié que comment Fernand Le Rachinel se proposait de nous donner, ce qui était quand même pas mal, il nous donnait 500 000 euros, et si on trouve à charge pour nous de trouver 500 000 autres euros, ne serait-ce que pour avoir des bulletins de vote, des professions de foi et des affiches, c'est tout. Hein, je ne parle pas d'une campagne avec des chars et puis des avions, des banderoles tirées par des avions, non, c'est juste pour le matériel officiel. Philippe Paul l'a fait. Ouais. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé l'argent, hein. Il a fait moins de 1%. Oui. Donc en fait, on est complètement noyé. Je ne pense pas que c'était les élections. Donc oui, voilà, je pense que c'est totalement marginal. Malheureusement, hein, je le regrette, hein, j'aurais bien aimé, j'aurais préféré qu'on parle plus de remigration. Mais je ne pense pas, enfin, le Parti de la France n'est pas pour ce genre de stratégie de faire semblant. Voilà, quand on se présente aux élections, on y va véritablement. Mais c'est tout à fait respectable que d'autres structures souhaitent le faire. Ça avait quand même permis à Vauquelin, par exemple, d'être invité par Hanouna, de pouvoir avoir des petites minutes d'antenne, etc. Ça permet de mettre un pied dans le système. Voilà. Ah bah bien sûr, c'est toujours ça de prix, hein, tout ce qui est prix. Hein, comme on dit qu'on parle de nous, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen, oui. Qui disait qu'on parle de nous en bien ou en mal, du moment qu'on parle de nous, c'est l'important. C'est positif, oui. Ouais. Alors là, on est début de l'année 2020, la prochaine élection présidentielle en 2022. Comment tu vois avancer les choses en France? Est-ce que on a vu qu'il y a des pays européens où il y a eu quand même un réveil identitaire? Il y a eu cette espèce d'euphorie Salvini qui pour l'instant est en pause parce que Salvini n'est plus au pouvoir. Et puis bien sûr toujours pareil en Europe centrale, il y a Orban qui fait de belles choses. Comment tu vois la chose? Est-ce que tu penses que le vent va tourner en France? Comment tu vois ça? Je l'espère. Ouais. Je l'espère. Le problème, c'est que la stratégie politique de Marine Le Pen. Et l'inverse du Rassemblement National, c'est l'inverse des autres partis populistes qui, eux, tapent sur l'immigration, tapent sur le discours identitaire, sécuritaire,
que seule chose que ne fait plus. On dirait que Madame Le Pen ne cherche des voix que à gauche. Oui. Et ne se rend pas compte que d'aller dans cette direction, c'est l'inverse de ce qui fait le succès, justement, des populistes dans d'autres pays. Oui. Et donc, justement, qui, eux, se positionnent en rupture totale du système. Je pense aussi à Bolsonaro au Brésil, par exemple, ou même Trump. La campagne de Trump était fabuleuse. C'était véritablement la campagne de Trump. Il est rentré dans le système, dans la gueule des médias du système comme jamais. C'est vrai. Ce qu'ils font, puisqu'il a toujours, Trump a toujours 95% des médias contre lui. Mmh. Et il continue de la même façon, et c'est ce qui fonctionne. Ouais. Je pense que se plier aux exigences de ses adversaires, forcément, vous lie les mains et ne peuvent pas créer d'une dynamique de rupture comme il y a pu y avoir dans d'autres pays ou dans d'autres pays européens. Donc je pense que la stratégie est mauvaise, mais je pense que le potentiel électoral et, on va dire, réactif français est tout à fait, peut-être similaire. D'ailleurs, les scores du Rassemblement national sont élevés. Mmh. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens lucides. Oui. Mais je pense que pour transformer cela, il faut que les gens n'aillent plus voter pour la droite nationale par défaut, mais par volonté véritablement d'arriver au pouvoir et de changer les choses. Et le problème est démographique, puisque de plus on attend, plus ça va être compliqué. Difficile, ouais. c'est ça aussi, c'est le temps joue contre nous. Ouais, ouais. Alors, justement, est-ce que c'est des questions qu'on me pose, tu n'as pas forcément la réponse, mais il y a énormément de gens qui souhaiteraient que le parti de la France puisse être représenté au niveau de la présidentielle. Tu penses qu'il y a vraiment une chance pour ça? Comment pourrait-on aider? Comment pourrait-on pousser pour qu'un parti de la droite nationale, le parti de la France est le mieux, je pense, placé pour pouvoir prendre ce flambeau, puisse arriver à la droite du RN? Alors, je pense que déjà en politique, tout peut changer très vite. Oui. On peut rappeler brièvement la dernière élection présidentielle. Qui, 2 ans avant l'élection présidentielle, aurait pu imaginer que Emmanuel Macron serait président de la République? Oui, ça peine si on connaissait son nom. Voilà. Après, tout le monde avait dit, de toute façon, ça sera Sarkozy ou Juppé contre lui. Donc, Fillon gagne la primaire, on ne s'y attendait pas. Voilà, il peut se passer beaucoup de choses. Oui. Il peut, par exemple, se passer que le calendrier électoral d'Emmanuel Macron ne corresponde plus au calendrier judiciaire de Madame Le Pen. C'est-à-dire qu'elle peut très bien se retrouver inéligible. Qu'est-ce qui va se passer avec toute la bande de crevards dont elle est entourée? Vous pouvez imaginer qu'ils vont s'étriper joyeusement pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Et puis à partir du moment où si le parti est en faillite, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un écroulement absolu du Rassemblement national et une redistribution des cartes au sein de la droite nationale. Oui. Il peut se passer énormément de choses. Pour que nous puissions être candidats, moi ou un autre, parce que je pense qu'il y a différentes personnes qui sont susceptibles, je pense qu'il faut justement être en embuscade. Mmh. En embuscade politique, être prêt, oui, à voir le nombre de militants, de cadres, parce qu'une élection présidentielle, c'est pas une personne toute seule, mais c'est toute une équipe, c'est tout un staff, et avoir aussi un petit peu de financement, ça c'est certain, il y a besoin, mais voilà, d'être prêt, d'être formé, d'être collé à l'actualité politique, de réagir régulièrement, comme on le fait le Parti de la France. Il y a au moins 3 ou 4 articles de réaction à l'actualité par jour. Je pense que c'est important que les Français puissent savoir ce qu'un parti politique de véritable droite nationale pense sur certains sujets, réagissent à l'actualité, puissent être rencontrés dans diverses réunions, puissent avoir des délégations un peu partout dans toute la France. Voilà, il faut se structurer, il faut avoir un discours clair de droite nationale, compréhensible par les Français, oui, parce que la métapolitique, bon, c'est bien gentil, mais voilà, si on commence à parler, je sais pas, d'effondrement civilisationnel, voilà, ou d'ethno-différentialisme, aux Français lambda, ils vous regardent, c'est quoi ce taré, quoi. Enfin bon, voilà, non, mais il faut s'adresser... Mais c'est Macron, c'est plus simple. Voilà, en gros, c'est ça. Le mec, il dit, ouais, mais quand est-ce qu'il parle des Arabes, quoi? Voilà, en gros, ça, non, mais... ou de l'économie, ou de l'argent, mais des choses concrètes. Voilà, il faut avoir, avec compétence, avec discernement, voilà, maîtriser tous les sujets de la vie politique française, mais savoir qu'on s'adresse principalement à des gens qui ne sont pas politisés. Ouais. Donc voilà, je souhaite évidemment qu'il y ait un véritable candidat de droite nationale à la prochaine élection présidentielle, mais voilà, il ne faut pas tout focaliser sur l'élection présidentielle. Sûr, il y a par exemple des élections législatives qui suivent,
qui sont elles aussi structurantes de la vie politique française, qui malheureusement sont un peu galvaudées depuis un certain nombre d'années, puisqu'elles ont lieu juste après les élections présidentielles. Donc déjà, d'une part, il y a pas mal d'abstention, parce que les gens en ont marre de voter, oui. Et c'est toujours une confirmation pour la formation politique du président élu. Ce qui est cohérent. C'est ce qui est cohérent. Mais les élections législatives auraient beaucoup plus de sens si elles avaient lieu à mi-mandat, par exemple. Ce serait une validation de la politique du président, ou... Peut-être, parce que là, c'est assez catastrophique pour les partis politiques contestataires. Exactement. Ces élections, en particulier les petits partis politiques. Je pense que c'est tout simplement fait exprès. Parce que si aujourd'hui, il y avait une élection législative, on sait bien que Macron n'aurait pas un si grand score que juste après l'élection. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a vu arriver toute une tripotée de députés LREM plus improbables les uns que les autres. Quelquefois, entre celui comment l'arabe qui a éclaté le gars d'un coup de casque, oui. Comment l'africaine qui a mordu un chauffeur de taxi, voilà. Une dans le Lot. Alors dans le Lot, ils ont élu une africaine qui ne parle à peine français. Oui, c'est vrai. On a vu ces émissions, ça existe, on ne ment pas. Ah oui, non, mais c'est édifiant, quoi. Oui, donc voilà. Donc là, ça a été la vague en fait Macron. Et donc on s'est retrouvé avec tous ces gens élus à l'Assemblée nationale française. Il y a des Daniel Obono, voilà, par exemple, aussi, qui arrive en boubou à l'Assemblée nationale, voilà, on dirait. Ce qu'on n'aurait même pas pu imaginer possible il y a 20 ou 30 ans, c'est en train d'arriver. Au-delà des différences de camp politique, c'est la première fois, je trouve, qu'on a des députés qui n'ont pas le niveau. C'est-à-dire, même dans les années 90, tu voyais un mec de gauche, puis c'était un mec qui avait le niveau. Il était intelligent, il avait fait des études, il pouvait parler. Alors que là, vraiment, on a vu des députés hallucinants, quoi, vraiment. On a des Aurore Berger, d'Aurélien Taché, ils sont quand même assez fabuleux. Mais bon, c'est aussi le fait des institutions françaises qui font que l'Assemblée nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Honnêtement, voilà, c'est du bavardage, c'est pour amuser la galerie, mais plus rien ne se passe, tout est décidé au gouvernement. La majorité sur les grands sujets est toujours reconstituée, oui. Et à part faire de l'opposition, alors je dis pas qu'il faut pas s'opposer, mais voilà, il faut savoir que ce qui se passe à l'Assemblée, rien d'exceptionnel ne sortira de l'Assemblée. On est quand même dans un régime présidentiel, et l'Assemblée sert juste à enregistrer les lois qui ont été décidées par les ministres. En fait, élaboré par les ministres. Avec les réseaux sociaux, maintenant, on a des vidéos qui tournent parce que des gens passent leur vie à regarder, par exemple, des chaînes comme Public Sénat. Et c'est vrai que parfois, quand on voit... Il y a des courageux. Oui, il y a des courageux. Mais ça peut être intéressant quand on voit comment les lois sont décidées. Parfois, c'est vraiment... c'est expédié entre deux sandwichs, quoi. Ce qui est édifiant aussi, c'est la faible combativité des quelques députés du Rassemblement National, ouais. Qui sont régulièrement absents, qui ne s'opposent pas toujours. Voilà, c'est quand même... relativement scandaleux. Bon, heureusement, il y a des gens comme Stéphane Ravier qui, lui, reste pugnace. Et voilà, il a fait quelques interventions au Sénat qui étaient tout de même intéressantes, parce qu'il est sénateur, lui, pas oui. député. Mais voilà, je les trouve particulièrement discrets, alors que, vu le peu qu'ils sont et le nombre d'électeurs qu'ils représentent, je pense que on devrait les entendre un petit peu plus souvent et de manière un peu plus vindicative par rapport à toutes les saloperies qui sont votées, que ce soit d'un point de vue économique, identitaire, sociétal. On devrait les voir un peu plus en avant. Oui. C'est dommage. Mettez quelques députés du Parti de la France, vous allez les entendre. On va s'amuser, ouais, voilà. C'est sûr. Ouais. Alors, tout au long de ces années de militantisme, Thomas, est-ce que tu as vu une évolution au contact des gens, des mentalités? Est-ce que tu as vu que certains verrous ont sauté là où tu milites en général ou partout en France? Ah bah oui, il y a une prise de conscience populaire du danger migratoire, du danger islamique. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, chez les Gaulois, chez les Français de souche, est majoritaire. Oui, peu importe leur vote électoral, parce que beaucoup de gens, en fait, c'est ça aussi où le jeu est un peu faussé, c'est qu'ils n'arrivent pas à traduire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent par un vote qui va dans leur sens. Mais par contre, oui, les verrous ont sauté. Avant, évidemment, il reste toujours des gauchistes hystériques, mais par contre, eux,
en fait, sont minoritaires, mais bénéficient, on va dire, d'une sorte de terroriste, de chape de plomb intellectuel qui fait oui. qu'il suffit qu'il y ait un gauchiste qui dise « Ah, mais c'est raciste, ça, comme propos ben, !» au sein d'un comptoir, pour que les 10 personnes qui sont autour du comptoir baissent la tête, mettent le nez dans leur verre en disant « Ouh là, je ne veux pas me faire traiter de raciste !» Parce que maintenant, le truc absolu, c'est de se faire traiter de raciste, d'antisémite, de facho, surtout pas. C'est-à-dire que l'antiracisme d'État systémique a fait que les Français sont castrés. Ouais. Il y a un terrorisme intellectuel. Castrés politiquement, moralement. Mais quand on parle à bâton rompu de manière privée avec beaucoup de Français, ils sont très radicaux pour certains. Ils tiennent des propos. Quelquefois, je leur dis, vous savez, vous êtes condamnés. Vous seriez condamnés si la justice entendait les propos que vous me tenez. Et ce sont quelquefois des gens qui votent à gauche ou qui votent, qui votent pas forcément. C'est étonnant. Mais il y a une prise de conscience, c'est certain. Ouais. Le plus grave, malheureusement, c'est que ces gens, on sent qu'ils n'ont pas trop d'espoir, ils sont résignés. Parce qu'ils ne voient pas la possibilité politique de changement qu'il puisse y avoir. Ils disent, ouais, quelquefois à l'étranger, ça fonctionne, mais nous, chez nous, en France, beaucoup de gens pensent que c'est trop tard. Je pense que ce n'est pas trop tard. Les Blancs sont encore majoritaires en France, malgré les discours catastrophistes que peuvent faire c'est certaines personnes, certains youtubeurs, en disant tout n'est pas terminé, tout n'est pas fini, on n'en est pas encore au fait, on n'est pas encore des 10 000, ça risque d'arriver, mais c'est pas encore le cas. À partir du moment où les Français retrouvent un peu plus de lucidité et aussi un peu plus de courage. Faut pas avoir seulement le courage de dénoncer sur les réseaux sociaux, de liker et de partager en se disant on a fait un acte militant. Je pense qu'il faut s'engager politiquement dans la mesure de ses moyens, dans la mesure de ses capacités. Je ne demande pas aussi aux gens de s'exposer en tant qu'adhérents du Parti de la France et de perdre leur boulot. Là n'est pas la question. Je veux dire, mais au moins d'aider ceux qui vont en première ligne, je pense qu'il faut avancer à visage découvert. Quand on est un parti politique responsable, on n'est pas là pour faire du militantisme d'anonymat. Il faut bien faire voir qu'il existe des défenseurs de la France française et de l'Europe européenne. En fait, ton idée, c'est intéressant ce que tu dis, c'est sortir du « ça sert à rien ». Parce que tous les énormes patriotes, quand on voit certaines vidéos qui font 20, 30, 40 000 vues, on se dit si tous ces gens militaient à leur petit niveau, mais ça pourrait tout changer. Bien sûr. Et ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils disent c'est comme tu disais par rapport aux signatures. Un tel va dire « non, mais… » militer, c'est pas pour moi, c'est pour lui, c'est lui qui va militer. Et finalement, tout le monde se dit ça, beaucoup se disent ça, et on n'avance pas. C'est dommage. Oui, c'est certain qu'à un moment, il faut sortir de l'analyse. Oui, voilà. Il faut sortir de l'analyse et être dans l'action politique militante. Il faut venir à des manifestations, par exemple. Quand il y a des manifestations, je vois, quand il y a eu la manifestation des identitaires contre l'islamisation, dernièrement, il y en a, je voyais sur les réseaux sociaux des gens de notre milieu qui raillaient le faible nombre. Oui. Évidemment, ces gens-là n'étaient pas à la manifestation. Ça avance à quoi c'est très bien, ils étaient 1000, c'est bien, à peu près un millier ou peut-être un peu moins, enfin peu importe. Mais je veux dire, c'est très bien, il faut soutenir toutes les initiatives, il faut arrêter aussi d'être un peu dans le sectarisme politique. On a la main tendue auprès de toutes les organisations avec qui on s'entend sur l'essentiel. On n'est pas là à essayer de trouver le petit truc qui fait que. Ah bah non, finalement, parce qu'il a dit ça en 96, il a fait tel truc, ou il a dit ça. Bah, je sais que toi, tu es victime régulièrement de fatwa du milieu ou de la mouvance. C'est totalement ridicule. Moi, je suis pas toujours d'accord avec toi sur tout, mais c'est pas pour ça, parce que je vais trouver un truc sur lequel t'es pas d'accord en disant qu'on Verseno, c'est un enfoiré, c'est un traître, c'est un philosémite, un sioniste, et un agent du Mossad, tant qu'on y est. Ouais. C'est totalement ridicule. Je veux dire, c'est ce genre d'attitude, c'est une attitude d'instagrammeuse de 14 ans. De rien faire, en fait. C'est ridicule. Et en plus, c'est important, le sujet, l'engagement politique. Et il ne faut pas dégoûter ceux qui voudraient s'engager politiquement avec des querelles internes, des guerres picrocollines entre telle ou telle mouvance, tout le monde se regarde avec dédain. Et je trouve formidable ce que fait Roland Ely de Synthèse Nationale, d'arriver à réunir toutes les tendances, et avec beaucoup de gens de bonne volonté. Je pense qu'on peut travailler
travailler ensemble, surtout à partir du moment voilà, où on s'entend sur l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on est en train d'être remplacé. Oui. À partir du moment toutes les mouvances, toutes les personnes, que ce soit les individus ou les groupes sont voilà, pour lutter contre ce remplacement, sont pour moi des gens sur lesquels il ne faut pas, taper. Hein. Oui, il faut qualifier sur l'essentiel. Le Rassemblement National, ce que je reproche, c'est leur stratégie qui est pour moi perdante, qui est pour moi contre-productive. Mais évidemment, je n'ai rien contre les adhérents, les sympathisants du Rassemblement National, et même certains cadres. D'ailleurs, même au municipal, on soutient certaines listes du Rassemblement National. D'accord, au cas par cas, oui. Oui, voilà, au cas par cas, il y a certaines personnes, c'est des maires sortants, par exemple, qui ont impliqué. Je pense à Franck Briffaut, à Villers-Cotterêts, qui a quand même, dès qu'il est arrivé, il a supprimé les subventions pour la CGT et la Ligue des Droits de l'Homme. Mmh. Il a refusé que la municipalité organise une commémoration contre l'esclavage, en disant que ça va être une commémoration de repentance. Voilà, donc il a fait ça. Et il a refusé de marier des homosexuels dans sa mairie. Alors, évidemment, vous voyez, les gens qui disent que les municipales, ça sert à rien, si vous pouviez vous taire juste 5 minutes et écouter ça en boucle 2 ou 3 fois, ça nous ferait plaisir. Voilà. Alors, évidemment, il a été désavoué par Marine Le Pen et Marion Maréchal immédiatement, qui ont dit que c'était stupide et qu'il devait respecter la loi. L'essentiel, c'est qu'il ait fait son devoir. Voilà, mais il l'a fait, il a tenu bon et il a tenu ses promesses. Donc, c'est un parmi d'autres, mais voilà, comme quoi il est possible. Parce que c'est vrai qu'aux élections municipales, on ne va pas changer. Non, c'est sûr, on ne va pas changer la donne. Mais aussi, on peut faire passer des messages politiques dans les lieux symboliques. Oui, bien sûr. Par exemple, Bruno Hiroux, notre secrétaire général, sera candidat à Ouistreham, qui est en train de devenir un nouveau Calais avec des clandestins. Le titre de la liste ne sera pas... voilà, ça va être très clair. Le titre de sa liste, c'est « Clandestins dehors, Ouistreham aux Français ». Voilà, rien que le programme est résumé. Donc voilà, les municipales peuvent aussi faire passer un message politique dans des lieux symboliques. Mais à beaucoup d'endroits aussi, c'est de la gestion municipale, humaine, matérielle. Oui. Et c'est vrai que nous, on invite nos militants, nos adhérents à participer à des listes aussi d'intérêt local. Donc là, on n'en fait pas état. Là, actuellement, nous diffusons tous les jours à peu près une liste que nous soutenons ou que nous présentons à différents endroits et puis on a bien l'intention de participer à ces élections municipales qui est une élection qui intéresse beaucoup les Français, même s'ils ne se rendent pas compte que maintenant tout est un peu décidé dans les communautés d'agglos, dans les communautés de communes, et puis il y a un enchevêtrement de compétences avec le département. Ça aussi, c'est insupportable pour les Français. Ils ne savent même plus qui finance qui fait quoi. Il y a un nombre de collectivités locales inimaginable, parce qu'entre la commune, la communauté de communes, la communauté d'agglos, le département, la région, ce qui dépend aussi des services déconcentrés de l'État, qui vient de l'État. Maintenant, n'importe quel chantier, il y a à peu près tout le monde qui finance, on ne sait même plus qui est le maître d'œuvre. C'est pour ça que quelquefois, vous vous étonnez que des chantiers publics mettent des années à se terminer, à se faire. Parce que justement il y a cet enchevêtrement de compétences avec des armées de fonctionnaires qui et puis on lance des grands projets, puis il n'y a pas le financement, donc on attend, enfin bref, voilà, c'est insupportable, cette espèce de bureaucratie insupportable. Ça il faudra mettre fin. On ne comprend plus rien, mais c'est aussi le but, comme ça on noie le poisson. Par contre, il y a beaucoup d'argent qui est injecté là-dedans, et donc c'est sûr que ça fait aussi partie des choses qu'il faudra réformer. Mais les élections municipales sont structurantes, c'est l'élection la plus proche de l'électeur. Oui, c'est vrai. Et donc on a invité nos adhérents, nos militants à participer à des listes d'intérêt local, quitte à se faire élire pour avoir un ancrage local. Donc évidemment, on ne le mettra pas en avant. On a aussi dit à certains de nos adhérents de se mettre sur des listes du Rassemblement National, sans trop que ça se sache qu'ils soient adhérents du Parti de la France. Donc dans certaines villes de France, il y en a certains qui auront quelques surprises. Bon, voilà, c'est de bonne guerre. Hein. C'est pas méchant. Voilà, c'est pas méchant. Et puis ça fera quelques élus pour le Parti de la France. Donc voilà, donc ces élections, même si le pouvoir du maire est de plus en plus réduit, alors le pire c'est que le pouvoir du maire est réduit, mais en même temps ses responsabilités, en particulier pénales, sont de plus en plus élevées. C'est pour ça qu'il y a plein de communes où il y a des gens qui ne veulent plus y aller, parce que ça prend déjà un temps fou. D'accord. Ça prend un temps fou, et puis quasiment faut être soit rentier soit retraité pour pouvoir être maire, parce que c'est très très compliqué d'avoir une activité professionnelle, une vie de famille et d'être maire de sa commune. En plus c'est très ingrat, hein, parce que les gens, le moindre truc qu'ils ont, s'il y a un pigeon qui chie sur leur
heure par brise, qui tous les jours, ils vont aller voir le maire en disant qu'est-ce que vous faites contre ça. Voilà, c'est. Non, c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. Et par contre, quand tout va bien, jamais on va voir le maire, écoutez, tout va bien, merci. Non, c'est très ingrat, et en particulier dans les petites communes où quelquefois c'est même le maire qui doit tondre la pelouse. Oui, puis là, pour le coup, le salaire des maires des petites communes n'est pas très élevé. Non, c'est dérisoire. Par rapport au temps investi, c'est dérisoire, parce que après, plus la commune est grosse, plus il y a des moyens de service, on peut avoir plusieurs des employés de mairie, un directeur général des services qui, en gros, les directeurs généraux des services dans les mairies sont un peu, c'est ceux qui font un peu tourner les mairies, les grosses mairies, je parle. Donc là, c'est quand même un peu plus simple, on est entouré, on peut déléguer, mais par contre, dans les petites communes, ils font avec les moyens du bord, et je suis très, très admiratif de ces personnes qui s'investissent dans la vie politique locale. Mmh. Alors, bon, par rapport à l'évolution des mentalités, sur la question ethnique, c'est un petit peu compliqué, mais je trouve que depuis 1 ou 2 ans, en fait, à peu près depuis les attentats du Bataclan quand même, il y a une évolution sur la question de l'islam. J'ai l'impression que la société se craquelle autour de cette question, et on voit des gens qui traditionnellement ne sont pas des gens de droite tenir des discours sur l'islam pas proches des nôtres, mais qui vont dans un sens similaire au nôtre. C'est-à-dire, en gros, on n'en veut pas en France. On a vu ça récemment avec l'affaire Mila, quoi qu'on en pense. Alors, quel regard tu portes là-dessus ? Est-ce que tu penses que c'est un moyen de... Ah bah bien sûr, voilà, l'affaire Mila, c'est un gros bug dans la matrice. Oui. C'est qu'il commence à... Enfin, il s'était pas aperçu que finalement, la dégénérescence LGBT allait se heurter aux djihadistes des cités, quoi, on va dire, en fait, le terroriste du quotidien, tu vois. Enfin, en gros, c'est l'afro-musulman qui t'emmerde dans les transports en commun. Il s'était pas aperçu que finalement... Ça allait pas matcher. Ça allait pas fonctionner. Et puis là, on a pu voir, c'est ce déferlement de haine contre cette jeune lesbienne qui a eu un coup de gueule, mais bon, une nana de 16 ans. De toute façon, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que ce n'aurait pas été une lesbienne à cheveux bleus qui aurait fait ça, ça aurait été une catholique hétéro traditionnaliste. Elle aurait été aussi... La réaction des musulmans aurait été la même. Aurait été exactement la même. Oui. Et là, ce qui est impressionnant, c'est les dizaines de milliers d'afro-musulmans qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. C'est pas juste 2-3 imams salafistes qui ont appelé à la lapider. C'était un lynchage collectif d'une sorte de bloc de haine compact de l'ensemble en fait des jeunes afro-maghrébins musulmans. Donc ça c'est significatif, et ça va peut-être ouvrir les yeux à beaucoup de gens qui pensaient encore que le vivre ensemble au sein d'une république cosmopolite allait être possible, mais pas du tout. Ça va à l'encontre. D'ailleurs, on le voit en général, la racaille étrangère s'en prend prioritairement en général à ceux qui sont, on va dire, les plus bienveillants avec eux. Charlie Hebdo, bon, à part leur critique de l'islam, c'était quand même des immigrationnistes forcenés. C'est eux qui ont été se faire mitrailler, pas la rédaction de Présent ou de Rivarol. Et donc là, je pense que certains commencent à s'apercevoir du danger démographique, et puis aussi de la restriction de la liberté d'expression à cause d'eux. Et quelquefois, et même qu'on se restreint soi-même, parce qu'on se dit, oulala, attendez, je vais pas avoir une fatwa, je vais pouvoir quand même continuer à aller faire mes courses, aller sur mon lieu de travail sans me faire égorger par un bédouin du désert enragé. Parce qu'il y aura une fatwa contre moi, parce que j'aurais critiqué l'islam, ce qu'ils vont considérer comme un... Et après, bon, concernant l'islam, évidemment, c'est un facteur aggravant de l'immigration. Mais je vois pas l'intérêt de rentrer dans le blasphème. Dans l'islamologie. Nous, c'est clair. Ça n'a pas à être ici. C'est très clair. Ouais. Tu pratiques l'islam en terre d'islam. La France, c'est pas une terre d'islam. La France, c'est pas la terre des afro-maghrébins. C'est pas la terre de toutes les peuplades du tiers-monde. Tu comprends, ouais. Voilà, c'est clair. En décolonisant la France, en pratiquant une remigration massive, le problème de l'islam ne se posera pas. Là où il va se poser, c'est tant que la remigration n'est pas entreprise. Parce que l'islam, c'est un programme politique. L'islam gère tout, même la manière de torcher. C'est vrai, vous pouvez aller regarder, il y a une manière, il faut se torcher d'une main. Voilà, l'islam gère toute la vie de A à Z et la vie de la cité, la politique en général. Donc voilà, lisez le Coran et sachez ce qui vous attend en tant que dhimmi. Vous savez très bien ce qui va vous attendre. Parce que de par le nombre... Et de part aussi de la complicité de nos élites, qui ne voient qu'à court terme, on est déjà presque dans une république pré-musulmane.
C'est-à-dire que quand ils seront majoritaires, alors ça n'arrivera pas d'un coup, ce qui va arriver, c'est que des zones, en fait, vont être de plus en plus contrôlées, des territoires contrôlées, comme c'est déjà un peu le cas, des zones islamo-mafieuses, en gros, comme l'État dans l'État, la Seine-Saint-Denis, c'est un État narcotrafiquant au sein de la République française. Mais ça, on le tait, on ne dit rien, mais comment c'est déjà le cas, et ça va être de plus en plus, de par la démographie, de par le nombre, et après, on sera des citoyens de seconde zone. Quand Jean-Marie Le Pen a été condamné en disant, dans 15 ans ou dans 20 ans, quand il y aura 25 millions de musulmans, les Français devront raser les murs et baisser la tête. On y est. Et il a été condamné pour ça. Il a été condamné pour ça, pour incitation à haine raciale et religieuse, enfin, je ne sais pas, le truc habituel. Et on y est. Maintenant, effectivement, on fait attention dans la rue. Quand on croise un groupe d'afro-musulmans, eh ben oui, on baisse la tête. Mais je veux dire, c'est normal, on va se protéger. De toute façon, vous savez très bien que quand bien même, dans une bagarre avec eux, si vous avez le dessus, il y en a un qui va sortir un surin parce qu'il ne supportera pas d'être humilié. C'est ça, ou appeler des camarades. Ouais. Et ben, sachant aussi que le combat à la loyale chez eux, c'est jamais en dessous de 15 contre 1. Hein. Sinon, après, ça commence à devenir dangereux. on y est, on est dans cette société, on fait attention à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait, quand on sort, et on sait que le moindre incident qu'on risque d'avoir avec eux peut se transformer en une boucherie. C'est ça, en une boucherie. Oui, c'est-à-dire que la bagarre n'existe plus, en fait. C'est jamais la bagarre, c'est tout de suite le risque de mort. Certes, il faut se défendre, il faut s'auto-défendre. Et quand bien même vous vous défendez, vous êtes condamné par des juges rouges qui vont dire que vous avez eu une agression raciste. Le simple fait de ne pas se faire massacrer, en fait, comme on le voit par toutes ces personnes qui, par exemple, repoussent des cambrioleurs en leur tirant dessus. Tout à fait, ils sont condamnés. Ils sont condamnés à des années de prison, même si ce sont des paisibles retraités. Cambrioler, vous ne devez rien faire parce que tuer le voleur, alors là, surtout pas. Simplement se défendre. Ouais. D'ailleurs, ça fait partie aussi d'une refonte de la légitime défense, ça que demande le Parti de la France, et également de la possession d'armes. C'est-à-dire que tout Français honnête, tout homme libre doit pouvoir avoir une arme, et tout homme libre doit pouvoir défendre et ses biens et ses proches. C'est-à-dire que le Parti de la France mettra en place une législation qui fait que si quelqu'un rentre par effraction chez vous et que vous le descendez, un peu comme aux États-Unis, eh bien, vous ne serez pas poursuivi. Et ça s'appellera la légitime défense, la défense de nos biens, la défense de notre famille, parce qu'il est hors de question qu'un étranger puisse rentrer sans y avoir été invité dans votre maison et puisse se servir, et tant qu'à faire, aller violer votre fille, et puis sans qu'on puisse réagir. Puisque c'est ça que nous propose la justice française, c'est de ne pas réagir. Alors évidemment, certains le font, c'est insupportable, on ne peut pas voir ça, mais il faut savoir qu'on se prend quelques années de tôle pour simplement avoir protégé sa famille. Donc on voit l'inversion totale des valeurs. On fait des Français des eunuques, malheureusement. Récemment, on a vu, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui est incroyable, il y a eu une tentative de meurtre de masse dans une église aux États-Unis, c'était il y a 2 ou 3 mois. Et en fait, on a vu comment une société change du tout au tout lorsque le port d'armes citoyen existe. Eh bien, la personne, il a quand même tué 1 ou 2 personnes. Il a commencé, je ne sais plus quelles étaient ses motivations, on s'en fiche, mais il a commencé à tuer des gens dans une église au hasard. Un citoyen américain qui était un fidèle de l'église l'a flingué et 5 autres personnes sont venues en backup pour voir si l'opération était bien finie. Oui, bah voilà, d'où l'intérêt du port d'armes. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'accorder le port d'armes à n'importe qui. Bien sûr. Évidemment, ça doit être strictement contrôlé, les gens doivent être formés. Oui, bien sûr. Mais je pense sans forcément armer tous les Français, parce que moi je parle de posséder une arme chez soi, pas forcément que tout le monde puisse te balader avec un Colt. Dans le holster. Il faut des règles, mais par contre, le Parti de la France est favorable à une garde nationale de 100 000 personnes. De 100 000 personnes qui seraient formées, qui seraient armées 24 heures sur 24 et qui seraient susceptibles d'intervenir dans ce genre de situation. Karl Lang l'avait expliqué quand il est venu dans l'émission. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ce sont des espèces de sur-citoyens qui, lorsqu'il y a des situations graves, peuvent intervenir rapidement. En soutien des forces de l'ordre aussi. Bien sûr, pour sécuriser le pays, pour que la sécurité règne partout avec des gens qui aient la possibilité. Alors évidemment, pas de défourailler à la moindre occasion, mais que si... à partir de ce moment-là, mais parce que c'est principalement pour lutter contre le terrorisme, le terrorisme du quotidien, parce que là, on a vu en début d'année, quasiment, il y avait une agression au couteau par jour. L'année a commencé fort. Je pense que l'islam voulait fêter ça aussi avec nous, parce qu'ils n'ont pas le nouvel an, c'est pas tout à fait en même temps que nous. Enfin bon, bref, peu importe. Et donc, oui, effectivement, lutter contre ça, mais aussi lutter contre la délinquance de tous les jours. D'ailleurs,
même si la police a été très très mal employée, puisqu'on voit qu'ils sont particulièrement bienveillants avec la racaille de banlieue, là les LBD, les flashballs ne fonctionnent pas beaucoup, mais par contre pour tirer sur du gilet jaune gaulois, il y a pas de souci. Mm-hmm. Non, mais quand on voit des scènes où des policiers sont comment entourés par des racailles haineuses, caillassées, ce genre, à partir du moment où une personne essaie de porter atteinte à l'intégrité d'un policier, ça devrait être comme aux États-Unis, comme exécuté, dans beaucoup de pays, ou au moins neutralisé, ouais, avec quelques balles dans les jambes. Ouais. À partir de là, il y aurait beaucoup moins de désordre. Oui, Sébastien Jalamion me le disait, c'est que la police en arrivait à un tel niveau de peur des sanctions que même lorsqu'ils sont en danger de mort, ils préfèrent ne pas tirer. Vous imaginez un peu la censure psychique dont ils sont l'objet. C'est terrible. Ah bah là, il y a eu le cas en Seine-Saint-Denis où un policier a été tabassé à terre. Il a finalement fini par sortir son arme et je crois qu'il a tiré en l'air. Enfin, il a blessé personne. Enfin, c'est quand même lamentable d'en arriver à terre tabassé en disant « je vais me faire tuer » pour enfin sortir son arme et tirer en l'air. C'est fou. Alors que ça n'aurait jamais dû arriver. Ouais. Vous voyez une interpellation aux États-Unis. La personne, si elle ne s'exécute pas ou si elle avance vers le policier, il se prend une balle ou deux ou trois balles dans la jambe, oui, ou dans c'est le ça. Buffet. Petit conseil qu'on vous donne si vous faites des vacances aux États-Unis, oui, un policier vous arrête, faites ce qu'il dit juste. Voilà, non mais et à chaque fois on dit oui, il y a eu un meurtre raciste aux États-Unis par la police, mais systématiquement c'est parce que le type est souvent complètement défoncé au crack ou à je ne sais quelle autre saloperie et qu'il leur fonce dessus avec un couteau ou qu'il a un flingue ou qu'il est incapable, ouais, de mettre les mains sur le volant. Faut qu'il cafouille, faut qu'il fasse le malin, ouais, et voilà. Et qu'est-ce qui arrive? Mais il se fait descendre. Non mais je veux dire, on a toujours qu'une moitié l'histoire. Oui. Un pauvre noir qui s'est fait tuer comme ça, sans raison. Puis après, tu vois la vidéo et tu dis, je vous encule, venez me chercher. Oui, oui. Voilà, non, mais. T'as ça. Et puis, alors, t'as aussi cette fameuse légende, tu sais, des erreurs judiciaires aux États-Unis pour, oui, ceux qui sont dans le couloir de la mort. Ouais, ça, ouais, fait déjà 20 ans qu'ils y, ouais, sont. Et puis, finalement, ils sortent. Alors, tu vois, souvent des Afro-Américains fatigués, mm-hmm, tu sais, et puis qui sortent de là. Puis, on était, après 20 ans. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 20 ans, ils arrivent à trouver un vice de procédure. Oui, souvent, mais en général, le mec, il a quand même massacré une famille, enfin des trucs absolument, oui, ignobles, mais ils ont réussi à trouver un vice de procédure, un tout petit bout d'ADN qui pourrait peut-être... Mais en général, les mecs qui sortent de soi-disant erreurs judiciaires sont coupables. Ils ont trouvé un vice de procédure, oui, un truc juridique, c'est pas savoir, possible. Ça. Et voilà, c'est à savoir. La plupart, ils sont quand même coupables. Parce que ton argument est bon, c'est de dire en gros... mettre comme ça de côté l'idée de la peine capitale parce que peut-être dans l'histoire du crime il y a eu 10 erreurs sur des milliers et milliers de choses et qui aux États-Unis sont pas souvent des erreurs de procédure, c'est-à-dire, oui, qu'en fait le type a bien fait ce qu'il a fait, mais on n'arrive pas totalement à le prouver parce qu'on a retrouvé un truc ou qu'une preuve a été, parce que c'est vrai quelquefois pour monter les dossiers ils arrivent à prouver qu'une des preuves a été fabriquée parce qu'effectivement quelquefois pour charger les types ou parce que le policier a pas fait tout à fait dans les règles certains trucs, mais le mec à l'origine il est quand même coupable d'un massacre. Oui, oui, c'est ça qu'il faut pas oublier. Et effectivement, alors, quelquefois il peut y avoir des erreurs judiciaires, mais je pense que la peine capitale doit être en haut de l'échelle des peines et dissuasive. Alors, mm-hmm, on dit oui, on peut pas le prouver. Bah, moi, peu importe qu'on puisse pas le prouver, mais à partir du moment où on appliquerait la peine de mort pour les tueurs d'enfants, si ça peut sauver ne serait-ce que la vie d'un enfant, pour moi ça me suffit. Bien sûr, hein. Ouais. Alors, tu as parlé brièvement des gilets jaunes, et justement, tu as été gilet jaune, on t'a vu sur le terrain, on a vu des vidéos. Bon, là, ce mouvement, il a un an, il continue un petit peu à la marge, à droite, à gauche, mais globalement, le souffle est passé. Quel regard tu penses sur ces événements, en fait? En fait, les gilets jaunes ont été grand remplacés en quelques mois, en quelques semaines. On est passé d'une révolte populaire, on va dire saine, de, oui, Gaulois, qui en avait marre, en fait, c'était des gens qui bossaient, qui n'arrivaient plus à boucler les fins de mois. Et je rappelle que à l'origine, la révolte du gilet jaune, c'était le coût de l'essence, oui, qui devenait absolument insupportable, qui arrivait à 1,50€, et les gens ont eu marre de d'être taxés en permanence, de pas arriver à boucler les fins de mois parce qu'ils étaient parce qu'ils avaient plus d'argent, alors qu'ils bossaient, quoi. Mmh. C'est quand même assez. Et moi, quand j'ai fait dès le 17 novembre, donc j'étais à Beauvais, il y avait énormément de monde, et il y avait vraiment une ambiance bon enfant. C'était vraiment que du Gaulois qui était là et du Français qui bosse, qui en a marre. Dès la semaine suivante, il y avait 4 policiers municipaux qui géraient le truc. Enfin, je veux dire, ça, ouais, se passait très très bien.
dès la semaine suivante, il y a eu des provocations policières. Mais immédiates. C'est-à-dire qu'ils ont gazé les gens comme ça, sans rien. Et après, ça s'est retrouvé un peu partout en France, oui. À Paris. C'est-à-dire que délibérément, la police a reçu l'ordre de faire dégénérer les rassemblements. Parce que le gouvernement a eu peur, parce que c'était une mobilisation inédite. Oui. C'était pas les grands messes cégétistes voilà, contre les retraites avec les défilés bien encadrés par les complices du gouvernement. Là, c'était quelque chose de nouveau, oui. Avec des revendications réactionnaires. Et là, ça ne leur plaisait. Donc, ils ont voulu faire dégénérer le mouvement, comme ils font régulièrement, comme ils infiltrent les manifestations, des policiers qui infiltrent pour créer du désordre, pour faire de la casse, ce genre de choses. Donc, voilà. Et après, une des grandes erreurs du mouvement des Gilets jaunes, ça a été de dire... On ne fait pas de politique. Oui. Pas de politique, on est apolitique. La politique, c'est la pire des conneries. Ouais, ouais. Si on ne fait pas de politique, on ne sert à rien. En général, quand on dit « je suis apolitique », ça veut dire « je n'assume pas mes idées de droite ». Souvent. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais, c'est en général, ça. Non, c'est un peu comme ceux qui commencent leur phrase « non, mais je ne suis pas raciste, mais... » voilà. Voilà, ouais, bah, « but tu sais. ». Non, mais commandant, ce qui est incroyable, c'est qu'ils n'ont pas voulu se politiser. Mais vous inquiétez pas, oui. D'autres vont politiser le mouvement pour eux, des professionnels de récupération de mouvement. Et on a vu dès le mois de janvier que ça a changé complètement avec les revendications qui ressemblaient à celles de Mélenchon, oui. Et avec le remplacement progressif des Gilets jaunes. En plus, c'était une frange de la population qui n'avait pas l'habitude de manifester. Alors, s'est retrouvé au milieu de tout ça, tout un agglomérat un peu entre eux, les gauchistes, les leaders autoproclamés aussi, oui, qu'on a pu avoir. Oui, comme Jérôme Rodriguez. Qui sont de véritables gauchistes pro-musulmans, pro-islam, puisqu'il avait manifesté contre la marche contre l'islamophobie. Bon, voilà. Et là, c'était gagné pour le système. C'est vrai. C'était gagné. Et malheureusement, il n'y a pas eu... Parce que ça n'a pas été politisé. Et aussi... C'est-à-dire que je reviens systématiquement à ça, mais un parti politique comme le Front National dans les années 90 aurait pu encadrer un mouvement de masse comme ça. Oui. Maintenant, c'est plus possible. Le Rassemblement National, d'un point de vue militant, les militants sont plus formés, n'existent plus d'ailleurs, parce que Marine Le Pen, elle veut un parti d'électeurs, elle veut pas un parti de militants. Il y a de moins en moins de militants de terrain, c'est clair. De militants de terrain. Et il est certain qu'un mouvement de cette ampleur, le Front National des années 90 aurait pu encadrer, parce qu'il aurait fallu être partout, aurait pu encadrer au début... Les gauchistes se faisaient virer des rassemblements de gilets jaunes, en particulier les cégétistes, puisque Martinez avait dit on ne participera pas à ce rassemblement de fachos. Donc voilà, et après il est revenu là-dessus, mais ils ont récupéré. Pourquoi ? Parce que les gilets jaunes ont refusé de se politiser. Oui, voilà. Oui. Donc ça, c'était une erreur absolue de ne pas avoir de leader et de refuser de se politiser. C'était certain que ça allait aboutir à tout et n'importe quoi. Alors, oui. On va dans la rue, on gueule, mais on ne sait même plus ce qu'on réclame, on sait même plus ce qu'on veut. Alors que quand ce genre de révolte, il faut rester sur un truc. Là aujourd'hui, l'essence est aussi chère, voire plus chère qu'il y a un an. Sur le sujet principal, il y a un échec. Voilà. Mais la même chose pour la manif pour tous. Ils refusent de se politisés. Oui. Qui vote les lois ? Les politiques. Voilà, ils ont refusé. Ils ont mis 1 million de personnes dans la rue contre le mariage homosexuel. Ça n'aboutit à rien. Mm-hmm. Bah, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas voulu politiser leur mouvement. Ouais. Tout ça parce qu'ils craignaient d'être catalogués, oulala, de fachos, d'extrême droite, ce genre de choses. Alors que le million de personnes, c'était pas un défilé d'un million de nazis bien qui sûr. Étaient dans les rues. Donc, c'était voilà. Même ils... pas 1 million d'électeurs Front National, d'ailleurs. Il y avait des bien électeurs sûr. De Fillon. De... Ils auraient pu tout à fait politiser leur système en disant aux élus tout élu qui ne s'oppose pas au mariage pour tous, nous demandons à nos électeurs de ne pas voter pour lui. Bien sûr, il y a des choses ça a été clair, fait, mais très mal. En plus, il n'y avait pas vraiment... Enfin, voilà, ils ont été beaucoup... Alors, quand on arrive à mobiliser autant de monde, on n'est pas petit bras après, parce que les gens attendent la suite. Et alors, mobiliser des centaines de milliers de personnes, c'est bien, mais pourquoi faire ? Après, c'est vrai que juste être dans la rue pour le plaisir de gueuler, ça n'avancera à rien. Tant qu'on ne va pas dans le champ politique, c'est ça aussi l'intérêt de se présenter aux élections, c'est que tant qu'on n'est pas dans le champ politique, dans le champ électoral, oui, il ne va pas y avoir de révolte tant que la tête n'est pas au bout d'une pique, tant que les CRS font leur boulot et la police continue à soutenir le gouvernement, on est à peu près tranquille. Oui. Mais par contre, dès que tu vas aux élections, là, ce n'est plus la même. Oui. Là, dès que tu vas aux élections et que tu risques de chambouler un peu les choses, là, c'est un peu plus compliqué. Mais encore faut-il être formé pour ça, parce que participer aux élections, ben, c'est assez compliqué. Le droit électoral, il n'y a rien de plus chiant. Tout change sans arrêt. Non, mais il faut savoir aussi, on
se présente pas aux élections comme ça en se disant alors quand je me présente il y a des choses à connaître. Chanteur, je m'appelle Henri, voilà. non, c'est très compliqué, il y a tout un carcan administratif, bureaucratique, tout ça autour de ça, et il faut un peu de sous. Ouais. Alors, tout à l'heure, je te posais une question sur l'évolution des mentalités. On est arrivé à la conclusion qu'il y avait un changement quand même chez les Français qui, globalement, sont beaucoup plus critiques et hostiles, n'est peut-être pas le mot, c'est exagéré, mais en tout cas très sceptiques par rapport à l'immigration de masse. Comment expliquer que ça ne se convertit pas par des votes à droite? Alors, tu vas me dire l'incompétence du RN, mais je trouve qu'il n'y a pas seulement ça, parce que d'autres pays européens qui ont très peu d'immigration réagissent déjà contre l'immigration qu'ils connaissent. Alors, comment ça se fait qu'en France, par exemple, le Français va mettre l'économie dans l'échelle des priorités, parfois avant l'immigration? Moi, pour terminer ma question, autour de moi, je connais des gens qui ont voté Macron simplement parce qu'ils ne faisaient pas confiance au programme économique de Marine Le Pen, tout en me disant « mais c'est vrai qu'on est envahi », ce qui est dingue. Oui, mais c'est-à-dire, je suis sûr que ces gens-là ne vivent pas l'invasion dans leur quotidien. C'est-à-dire que tant le français, c'est assez typiquement français, c'est que tant qu'on n'est pas touché personnellement tout de suite, on a l'impression que les choses vont s'arranger ou que finalement, c'est pas si important que ça. Ouais. C'est-à-dire que si ces gens-là sont dans une commune ou un quartier qui n'est pas fortement touché par l'immigration, s'ils n'ont pas eu affaire directement à la délinquance, très souvent, c'est l'élément déclencheur, l'électrochoc, c'est de se faire agresser, en particulier chez les femmes. Femmes qui sont pleines de bonnes intentions, parce que ça, c'est le côté féminin aussi, en disant non, là, faut pas avoir un discours trop extrémiste, finalement, voilà, qui peuvent être sensibilisés. Mais ça, c'est typique aussi, c'est pas forcément un reproche, mais qui vont être plus dans l'émotion et qui vont, par exemple, voilà, peut-être être un peu interpellés par les migrants, les enfants, ce genre de choses. En revanche, elles vont réagir aussi à l'émotion quand elles vont se faire agresser, traiter de sale pute blanche par une bande d'afro-maghrébins dans les transports en commun. Oui. Qu'elles vont avoir affaire à des relous pas possibles, à la fameuse drague des princes du désert, enfin voilà, où tu passes du statut de princesse à de sale pute très rapidement. Tu vois, la marge est vraiment très vite. À partir du moment où tu donnes pas ton 06, en général, tu passes vite ma gazelle, ma princesse, t'es jolie, mademoiselle, non, tu sages vite à sale grosse pute mourir. Française. Ah, Donc ça, et puis je pense que tant qu'ils ne vivent pas, pour répondre à ta question, tant qu'ils ne vivent pas exactement, ils voient ce qui les touche en priorité. Mm-hmm. Mais bon, Macron, il s'attendait peut-être à payer moins d'impôts. Non, en France, on pratique le pire du libéralisme dans un régime quasi communiste. Oui. Puisque là, ils vont même essayer de faire payer une taxe aux propriétaires une fois qu'ils ont fini de payer leur maison. Enfin, je veux dire, quand les gens parlent de Macron l'ultra-libéral, mais ils n'ont jamais essayé de monter leur entreprise. C'est une plaisanterie. Moi, je le dis souvent, mais tous les amis qui ont mon âge, qui ont essayé de monter un commerce, ont tous échoué. Alors que ce sont des gens qui avaient beaucoup investi au départ, qui ont une force énergie de travail. Surtout tout ce qui concerne la vente de produits alimentaires, aujourd'hui, ouvrir un bar, vous revendez votre bar, vous n'avez quasiment rien gagné. Encore on n'est pas criblé de dettes, quoi. Ouais. Enfin, c'est une horreur absolue. Moi, ceux qui créent leur entreprise aujourd'hui en France, dans les conditions actuelles, ce sont des héros. J'allais dire des inconscients. Ouais. Mais limite, je serais peut-être moins catastrophé si un de mes enfants disait ouais, moi je veux vivre de la musique, plutôt que de me dire je vais monter mon entreprise. Histoire de l'art. Allez, vas-y. T'as une petite chance, peut-être bosser dans un musée, quoi. Mais c'est vrai, c'est vraiment inquiétant. Beaucoup de gens ne sont pas conscients de ça, du régime dans lequel on est, du régime bureaucratique, socialiste, quasi communiste. On le voit aussi avec les retraites, parce que là, c'est quand même, même si on n'est pas le Parti de la France est évidemment opposé à cette réforme des retraites qui est injuste, qui est inéquitable, qui est relativement floue, volontairement d'ailleurs floue, pour justement ne pas savoir. Mais effectivement, le système par répartition qui existait depuis 1945, c'est un système qui était fait dans une société de plein emploi. Oui. Mais donc maintenant, évidemment, ça n'a plus de sens, ça ne peut plus être le cas. Mais maintenant, il faut savoir qu'on va travailler dans le projet actuel, c'est-à-dire qu'on va travailler jusqu'à 67 ans, nous, je parle après des gens de ma génération et un peu plus jeunes, pour payer la retraite des boomers, en gros. Ouais. Parce qu'eux, ils auront eu la belle vie jusqu'au bout. En gros, c'est ça, on protège le boomer. C'est ça. Même si je ne fais pas de généralité. D'amalgame, pour le coup. Oui, d'amalgame. Mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire que, on va se mobiliser pour payer la retraite, sachant que nous, au bout,
on aura encore moins. Ouais. Parce qu'il va bien falloir aussi payer les minimums vieillesse de toutes, tous les parasites d'importation qui n'auront jamais travaillé de leur vie. Bien sûr. Puisque et donc là, on va arriver, on revient au régime communiste, c'est-à-dire, ils disent, oui, mais tout le monde aura 1000 euros de retraite. Oui, mais pour que tout le monde ait 1000 euros de retraite... Il faut que certains bossent plus que d'autres. Bah, non, c'est pas ça, c'est surtout qu'on va baisser la retraite des autres. C'est-à-dire, oui, tout le monde a 1000 euros, toi, ouais, t'auras travaillé toute ta vie, le mec aura rien glandé, aura travaillé 2 mois, 3 mois, par-ci, par-là, et puis il aura à peu près la même chose que toi, qu'on aura bossé toute ta vie. C'est lamentable. Bah, ça, c'est le système le collectiviste. C'est vrai. Voilà, ouais. Et qui, en plus... freine tout investissement, enfin, on va dire créatif, industriel, tout ça. En parce fait, que ça c'est bien l'échec de l'URSS. C'est exactement. C'est détruit. Tu détruis la société. Ma femme est roumaine. C'est quoi? Le communisme, au départ, c'est l'illusion de la fonctionnalité. Et finalement, quand les gens se rendent compte qu'en foutant rien, ils touchent le temps qu'en bossant, eh ben ils foutent rien. Bizarrement. Bien sûr. L'être humain est comme ça. Et on voyait les seuls trucs qui fonctionnaient, c'était les lopins de terre qui étaient accordés, qui appartenaient. Justement ça, ouais. Aux ouvriers et ouais, là ouais. C'est le seul truc qui fonctionnait, c'est ce qui leur appartenait. Exactement, comme quoi ouais. Le droit de propriété c'est quelque chose de fondamentalement humain, c'est normal vrai. Quoi, c'est la mutualisation des moyens, la collectivation de tout, ça va à l'encontre des règles de vie d'une société normale, d'un citoyen ouais, normal ouais. Tu te rends compte Thomas qu'à la fin de l'URSS le PIB de la Russie je crois a été égal ou inférieur à celui de la France, avec toutes les richesses, cette immensité du territoire. Je crois que 10 fois inférieur, que je raconte, c'était 10 fois inférieur à celui de la France. Ah bah, c'est colossal. Et toujours maintenant, je veux dire, la Russie se remet doucement du communisme. Et je veux dire, les problèmes actuels de la Russie sont dus à 70 ans de fonctionnement communiste. Ouais, ouais, ouais. Alors, Thomas, j'ai une question maintenant liée à ton nouveau statut. Alors, est-ce qu'en tant que président, tu sens une... Ça va mieux avec les gonzesses, non? C'était pas ma question. Non, je croyais que c'était ta question. Non. Peut-être après, mais là, c'était vraiment sur la responsabilité. Est-ce que tu sens un peu plus de poids sur toi? Est-ce que, je sais pas, ton volume de travail a augmenté? Comment tu vis ça personnellement? Est-ce que ça se crie bien dans ta vie? Alors, j'étais déjà très actif. J'avais déjà beaucoup de boulot en tant que secrétaire général. Moi, je suis quelqu'un qui délègue, qui fait confiance aux gens et qui délègue les choses parce que je pense que plus on délègue, plus on responsabilise les gens. Oui. C'est pour ça que j'ai créé... Il y a une délégation générale qui a été créée. Oui. Bruno Hiroux, bon, je l'ai dit tout à l'heure, me remplace au secrétaire général et je leur fais confiance. C'est-à-dire que si on nomme des cadres politiques, c'est pas pour faire comme au Rassemblement National où chacun est épié ou peut pas avoir la moindre initiative sans qu'immédiatement il soit rappelé à l'ordre. Non, moi, je laisse une certaine marge de manœuvre à partir du moment où ça reste. Et puis bon, on décide des choses en bureau politique, voilà. Mais voilà, moi, je suis pour déléguer parce que je pense que plus on responsabilise les gens, plus il y a d'initiatives et plus le parti politique va se développer. Oui. Moi, ensuite, c'est sûr qu'on a une responsabilité en tant que président d'un parti politique puisqu'on est le porte-parole, on est la voix principale du parti politique. La ligne ne va pas changer. La ligne du Parti de la France qui a été imprimée par Karl Lang dès la création du Parti de la France, on reste sur cette ligne de droite nationale, droite européenne, enfin pour l'Europe, pas pro-Union européenne, on est bien d'accord, nationale, identitaire, sociale et libérale aussi, qu'on vient d'en parler. Voilà, nous, on n'est absolument pas, on n'est pas dans ces rouges-bruns qui voudraient en gros, ou de Marine Le Pen, qui en gros, économiquement, est sur le programme ultra-démocratique. Démagogique de Mélenchon, en gros, économiquement, c'est à peu près ça. C'est la retraite à 60 ans, c'est le SMIC à je sais pas combien. Enfin, le but, c'est pas non plus, on va pas baisser le SMIC non plus, mais c'est ce qu'on veut libérer le monde de l'entreprise. Donner une prime au travail, au mérite. Voilà, une prime au travail. Nous, le but, c'est pas d'entretenir les gens dans l'assistanat social, c'est de trouver un travail pour tout le monde. Mmh. Et surtout, on en revient toujours à la même chose, c'est se débarrasser des parasites sociaux d'importation. Mmh. Qu'on vienne au secours des nôtres, aux plus démunis des nôtres, oui, mais on doit retrouver, c'est Jean-François Touzet qui avait trouvé, je trouve que c'est très bien, on doit retrouver l'égoïsme national concernant le social. Voilà, nous devons être égoïstes. Mmh. Voilà, égoïstes. L'exclusivité nationale pour les aides sociales, c'est quelque chose de normal, c'est évident. Mais même dans une vie de famille, tu vas nourrir tes enfants avant de nourrir les enfants des autres. C'est normal. Voilà, c'est ça. Et à la rigueur, si on va dire si on reste, on balancera des miettes. Mais bon, voilà, c'est pas. Je veux dire, c'est l'objectif. La France doit nourrir ses propres enfants, doit aider et les aider. Sans les laisser dans une misère entretenue, parce que l'assistanat social, c'est ça aussi. Oui. Par exemple, dans les mairies communistes,
ils sont spécialisés là-dedans, oui. Où la moitié de la ville est tenue par l'assistanat social. Donc la ville est très pauvre et tout le monde est tenu par... Donc c'est pour ça que les mairies communistes ne veulent jamais faire prospérer leur ville, oui. Parce qu'ils tiennent les gens par la misère. Oui, et donc nous, ce qu'on veut, c'est redonner du travail aux Français. Et aussi retrouver la fierté de travailler. Le fameux triptyque travail, famille, patrie, ouais, et ouais. Voilà, la fierté de travailler, d'avoir un travail, c'est un devoir et c'est aussi un droit d'avoir un travail. Les Français doivent pouvoir travailler, doivent pouvoir subvenir à la vie de leur famille par le travail, mais malheureusement beaucoup, et aussi on perd cette valeur, cet honneur de travailler. Alors je dis pas que c'est un honneur d'aller pointer à l'usine tous les jours, mais je veux dire c'est un droit, et puis ça te permet aussi d'avoir le fameux statut de père de famille ou de mère de famille. C'est vrai. Et je crois également qu'il faut donner les possibilités aux femmes d'avoir le choix de rester chez elles. Maintenant, un couple, c'est très rare que la femme puisse ne pas travailler. Oui, malheureusement. On n'a pas la possibilité, bon, même quand on en a le désir. Voilà, et comment c'est pas... Alors tout de suite, j'imagine tout de suite, ils vont renvoyer les femmes au fourneau, d'ailleurs. Mais toutes ne sont pas faites pour travailler. Toutes ne sont pas faites pour avoir un travail. Certaines sont plus efficaces dans la tenue d'un foyer et d'élever des enfants. Élever des enfants, élever une famille nombreuse, c'est pas évident. C'est pas évident. Et les enfants ont besoin d'une certaine attention, et c'est souvent que seule la mère peut donner, puisque le rapport d'une mère avec un enfant n'est pas le même que le rapport du père. Ouais, surtout au début de la vie, c'est clairement ça. Tu sais, la formule être parent, c'est un vrai boulot. Avant que j'aie un enfant, je pensais que c'était juste une formule. Mais c'est vraiment un boulot. Ah oui, c'est un boulot. Et puis chaque âge a ses joyeusetés. L'entrée au collège, je peux dire que c'est fabuleux. Moi, ouais, j'ai pas hâte, j'y vais quand même tout doucement vers ça. Quoi. Et puis un peu la perméabilité aussi au discours dominant. Au discours dominant. C'est sûr que bon, après, ça peut se corriger tout ça, mais c'est sûr que être parent, puis c'est important. C'est aussi la seule chose qu'on laisse après nous, c'est notre lignée. Bien sûr. C'est ça aussi, ça a été. C'est mis en cause, puisque l'identité, la lignée, tout ça, c'est la seule chose qu'on laissera derrière nous. C'est vrai, ce sera nos enfants. Un autre invité de l'émission, Jean-Paul Leperlier, me disait, un ancien de l'OAS, disait ce qui est beau quand on a des enfants, c'est qu'on vit, après notre mort, on vit dans le souvenir d'un enfant. Et j'ai adoré cette formule. Finalement, c'est une forme d'immortalité. Bien sûr, la seule immortalité dont on est certain, c'est celle-ci. C'est celle-ci, c'est la transmission de la vie, que là, on essaie de transformer avec la loi pour la PMA, pour que des lesbiennes puissent assouvir leur lubie d'avoir un enfant. Ça, c'est quelque chose... Parce que pour l'équilibre de l'enfant, à partir du moment où tu choisis un mode de vie stérile, un mode de vie sexuel, affectif, marital, stérile, à partir de là, tu en subis les conséquences. C'est comme si tu choisis de ne pas faire de sport, nécessairement, tu n'auras pas le physique d'un sportif. Enfin, voilà, ils veulent en gros le beurre et l'argent du beurre. Donc, pour assouvir leur lubie, je ne pense pas que ce soit un cadre normal qu'un enfant soit élevé par deux lesbiennes ou deux homosexuels. Ça devrait être foncièrement interdit. Quand on voit déjà les ravages que peuvent faire les familles monoparentales, qui sont souvent subies, et là, on va autoriser, justement, parce qu'en général, c'est subi, les familles monoparentales, à part quelques cas particuliers, et donc là, en fait, on va pouvoir créer, la loi va permettre de créer des familles monoparentales aussi, puisqu'une femme qui décidera de se faire inséminer pourra avoir un enfant toute seule. Je pense que c'est... Là, ils font les apprentis sorciers, et ils cèdent à des lubies de personnes totalement irresponsables. Oui, c'est-à-dire... Alors, sa position, elle est intéressante à connaître de ta part, celle du parti de la France, c'est que même si la PMA permet à des couples homosexuels blancs d'avoir un enfant blanc, tu penses qu'au niveau de la structure psychologique de l'enfant, c'est pas bon, en fait. Bien sûr que non. Non, je ne pense pas que des gens qui ont un comportement sexuel anormal, qui n'est pas non plus un jugement de valeur, mais qui n'est pas normal. Le mariage, c'est un homme et une femme, et jusqu'alors, on n'a pas trouvé mieux que d'un homme et une femme pour faire des enfants. Alors là, on va en faire comme avec des rats de laboratoire, on va les faire des enfants. Alors par contre, je suis totalement favorable à la PMA pour les couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. J'y suis totalement favorable, puisque en plus, on est dans une période de grande infertilité des hommes blancs, malheureusement. Donc je pense que c'est un peu peut-être toutes les saloperies qu'on respire, qu'on bouffe, qu'on boit... Donc
à mon avis, il doit y avoir une large part. Et aussi, pour beaucoup, il y a certaines études qui ont été faites là-dessus. Tout ce qui est les antibiotiques sont mis dans la viande. Enfin, bon, les couples blancs se mettent plus tard à essayer d'avoir des enfants. C'est plus difficile d'avoir des enfants à 35 ans qu'à 20 aussi. Donc c'est certain que la PMA doit être utilisée dans le cadre d'une infertilité des couples. Mais sûrement pas pour les homosexuels, non. Je me souviens d'un argument qu'avait donné Bruno Gollnisch. Je l'ai peut-être déjà dit dans l'émission, mais je le répète, qui était très bon il y a au moins 10 ans. La politique, c'est l'art de la répétition. C'est ça, mais il était très bon cet argument. Il était chez Fogiel et donc il avait la même position que toi. Il disait, moi je suis favorable aux gens qui ne peuvent pas en avoir, mais qui veulent en avoir, aux couples hétérosexuels, mais pas aux homosexuels. Et évidemment, un gauchiste se demandait, mais pourquoi? Et Gollnisch avait dit, mais parce que les couples hétérosexuels n'en ont pas abandonné l'idée a priori. C'est-à-dire, en gros... ils veulent en avoir, et ils pourraient en avoir, mais il y a un dysfonctionnement, une pathologie. Oui. Alors qu'un couple homosexuel a accepté l'idée que, ok, ils s'aiment, mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Bien sûr. Après, le but n'est pas de dire aux homosexuels qu'ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Après, ils ont un mode de vie différent, ils en acceptent les conséquences. C'est certain qu'on ne fait pas des enfants avec un homme, on ne fait pas des enfants en s'enculant. Voilà, c'est cru, hein. D'accord, mais voilà, c'est ça. Certains ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais voilà. Ce que tu disais du travail, je voudrais y revenir parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un tout. Au-delà de la question fiscale, la pression fiscale, moi j'ai le sentiment parfois que, alors tu me dis, c'était une excuse, mais il y a beaucoup de Français qui ils ne veulent pas travailler pour ce pays, dans ce pays. C'est-à-dire en fait, le manque de fierté pour le pays fait que finalement tu n'as plus de motivation à travailler, tu n'as même plus de motivation à vivre, tu n'as plus de motivation à prendre soin de toi. En fait, c'est vraiment très important le... Bah là, on en revient à la résignation dont on parlait. C'est vrai que d'un autre côté, se dire, tiens, je vais travailler plus. Alors quelquefois, il y en a qui le font, tu sais, qui font beaucoup d'heures en intérim, ouais. Et quand les impôts leur tombent dessus, je me suis emmerdé à faire un nombre d'heures pas possible pour quasiment que les impôts me bouffent tout. Et tout ça pour financer quelque chose qui me déplaît. Voilà, c'est ça. C'est ouais. En plus, pour financer, parce que ça, c'est assez fascinant. C'est quand tu vas dans des banlieues afro-musulmanes, ça commence à s'éveiller vers 10-11 heures du matin. Oui, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire, mais personne ne bosse là-dedans. Bah, tu sais, ça ne bosse pas. C'est... On est deux militants, on sait que pour être tranquille en banlieue, il faut coller à 8 heures du matin. Voilà. Ah là, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux coller Jean-Marie Le Pen, mais plus, même plus que ça. Oui. Y a pas de problème. Ah ouais, non. C'est effarant. Donc évidemment, le type qui bosse, qui est écrasé d'impôts, qui est écrasé de charges, pour le peu en plus qu'il ait monté sa petite entreprise, tout ça, il dit à quoi bon ? Ouais. À quoi bon ? C'est sûr, je comprends tout à fait. De toute façon, rien n'est fait pour que le Français soit fier de son travail, fier de sa famille, fier de sa patrie. Ouais. On en revient au triptyque maréchaliste. Ouais. Mais c'est le cas. C'est qu'en fait, on fait... Et pourquoi on dit sans arrêt le moral des Français n'est pas au beau fixe ? Bah, évidemment, c'est ça. Comment et de manière sous-jacente, je pense que même ceux qui ne sont même pas capables de l'analyser, cette perte de fierté et cette perte de confiance en l'avenir, c'est qu'aussi, même le gauchiste doit s'en apercevoir, c'est ce remplacement. Oui. C'est ce remplacement. Je suis persuadé que le gauchiste ne supporte pas non plus dans le métro la mama africaine qui parle en Wolof au téléphone en hurlant. Il ne supporte pas non plus. Mmh. Alors, il n'osera pas... Il y a d'ailleurs un dessin comme ça où, tu sais, t'as un gars dans le métro entouré de Noirs et d'Arabes, oui. Et qui fait « je suis pas raciste ». Parce qu'ils sont tellement obligés de se convaincre, de s'auto-convaincre. Oui, c'est ça. Ouais. Et chez eux aussi, il y a une certaine résignation. Oui. Alors, quels sont les événements qui attendent le PDF cette année, là, par exemple dans la première partie de l'année ? De quoi tu peux nous parler ? Alors, après les élections municipales, oui. Nous allons, à l'ancienne, organiser un grand meeting à Paris contre un meeting. Donc c'est vraiment un meeting politique, hein, c'est pas un colloque métapolitique. Un grand meeting politique sur la colonisation migratoire et islamique de notre pays et évidemment les solutions que nous comptons y apporter. L'invité d'honneur sera Jean-Marie Le Pen. Il y aura un certain nombre de cadres du parti de la France. Pour donner une idée de la teneur des interventions, par exemple l'intervention de Bruno Huroux, le thème sera clandestins, migrants, pseudo-réfugiés, foutons-les dehors. Voilà, ça vous donne une petite idée de Jean-Marie Le Pen interviendra sur la démographie, la submersion démographique. Nous aurons d'autres intervenants également. On n'a pas encore le programme complet, mais on va essayer d'en faire un événement politique majeur de résistance nationale
À l'immigration. Je crois pas que tu n'aies dit la date, par contre. Ah oui, la date. Oui, t'as raison. Donc, ce sera le 18 avril à Paris. D'accord. On indiquera le lieu. Donc, ce sera dans Paris, un lieu assez central. Donc, nous avons réservé la salle. Et donc, on souhaite de faire de cet événement un grand événement politique à l'ancienne, parce qu'il n'y a plus beaucoup de meetings. On a des colloques, on a des conférences qui sont très bien. Hein, c'est pas... Mais là, ce sera véritablement un meeting politique où on dénoncera et on apportera aussi différentes solutions avec un discours radical et offensif contre cette invasion. Je pense que c'est quelque chose de fédérateur dans la mouvance nationale. Et il n'y aura pas que des gens du Parti de la France qui prendront la parole. Mais bon, je réserve surprise, mais on annoncera fur et à mesure. Et également, donc, le 1er mai, il y aura, un peu comme d'habitude, un hommage à Jeanne d'Arc qui sera fait par Jean-Marie Le Pen. Et le Parti de la France sera présent. Jean-Marie Le Pen prendra la parole place des Pyramides, comme il l'avait fait l'année dernière. Et le Parti de la France sera présent en nombre pour soutenir cet hommage à Jeanne d'Arc. On a l'impression vraiment que le lien avec Le Pen, il est fort. Bon, il est fort depuis le début, parce que tu t'es engagé aussi avec Jean-Marie Le Pen dès le début. Mais maintenant, on a vraiment le sentiment que la rupture avec le RN pour Jean-Marie, elle est nette, et que maintenant, il vous considère un petit peu comme ses enfants spirituels, quoi. Enfin, même clairement. Bah, on est dans la droite ligne de la droite nationale qui a été inspirée et créée par Jean-Marie Le Pen. On fait aussi partie des seuls qui l'invitons encore. Et évidemment, nous sommes tout à fait dans la ligne du Front National, canal historique, qu'il a toujours défendu. Et donc, c'est totalement naturel. On a la chance d'avoir encore Jean-Marie Le Pen qui est vivant, d'une part, qui est valide et qui est totalement lucide sur la... Moi, je vais être ses carnets de bord toutes les semaines. Voilà, sur la vie politique française, internationale. Et en plus, on a la chance aussi d'avoir quelqu'un qui a un énorme recul, une grande expérience... Et qui, c'est pas Nostradamus, mais en attendant, tout ce qu'il avait prévu est arrivé, voire en pire. Bon, il n'avait pas prévu que sa fille le foutrait dehors de son parti politique, ça, il l'avait pas vu venir, nous, oui. Mais par contre, sur l'actualité nationale, internationale, et la question migratoire, sur laquelle il met en garde les générations futures, car plutôt Greta Thunberg qui veut nous empêcher de rouler avec notre diesel, je pense que le défi majeur de l'Europe et même du monde occidental, ça va être la submersion migratoire, la démographie, qui va faire que là, c'est juste une avant-garde qu'on a, mais si les prévisions démographiques s'avèrent juste dans les pays, en particulier en Afrique, on va avoir un déferlement. Si on ne met pas de barrières, si on ne met pas de murs, si on ne défend pas nos pays, on va être totalement submergé. Ils vont tous venir, on a un scoop pour vous, ça ne va pas aller mieux chez eux, donc il faut un scoop en exclusivité. Voilà. Ah, oui. Si vous ne le saviez pas, on vous prévient, l'Afrique n'ira pas mieux dans 20 ans, donc ils voudront toujours venir évidemment en Europe. Ça risque d'être absolument... effrayant, gigantesque. C'est à dire qu'on pourra avoir un peu comme il y a eu en Allemagne avec c'est-à-dire 1 million de migrants qui sont arrivés d'un coup, qui Merkel a ouvert les bras. Et là, avec le nombre de viols qui vont augmenter, enfin qui vont devenir monnaie courante, comme en Suède, c'est incroyable que la Suède est l'un des pays du monde où le taux de viol est le plus élevé. Oui, et ça a changé en 20 ans, c'est-à-dire avec l'immigration. Voilà, c'est ça, et les agressions, les règlements de compte de gangs, il y a les gangs en plus s'attaquent à la bombe entre eux, enfin à Malmö, il paraît que c'est... Enfin voilà, on va vivre l'enfer, le chaos ethnique, et on sera les victimes privilégiées de cet enfer. Donc c'est très important, il ne faut pas croire que c'est toujours les mêmes lubies de l'extrême droite, l'invasion, elle est réelle, il n'y a qu'à voir sur Paris. C'est devenu une sorte de poubelle africaine. C'est insupportable. Et ça va être comme ça un peu partout. Maintenant, il n'y a plus de villes françaises ou de régions épargnées. Oui, c'est vrai. Alors, bon, tu me connais mon style un petit peu, acide. De temps en temps, je pose des questions un petit peu qui peuvent mettre mal à l'aise. Par rapport à Jean-Marie Le Pen, est-ce que, malgré l'estime que tu as pour lui, le grand respect, est-ce que parfois tu as du ressentiment quant à son choix d'avoir mis Marine Le Pen en avant ? Est-ce que des fois tu te dis, quand même, c'était une erreur qu'il n'aurait pas dû faire ? Est-ce que tu en parles avec lui ? Alors, non, je n'en parle pas parce qu'il le sait. D'accord. Donc voilà, il le sait bien. Il faut savoir aussi que Marine Le Pen, c'est sa fille. Donc c'est une relation tout de même particulière. Bien sûr. Donc il est au courant. De toute façon, il l'a vu. Les faits ont démontré qu'il a fait une erreur. Oui. Il le sait très bien. Après, tout le monde peut faire des erreurs. C'est vrai que
on fait forcément plus confiance en ses enfants, sa propre famille. On n'imagine pas être trahi par les siens. Ouais. Nous, on l'avait vu venir. Lui ne l'a pas vu venir parce que c'était sa fille, parce que également, elle lui donnait les gages nécessaires de telle façon à ce que il n'ait pas de doute ouais. sur elle. Donc voilà, et c'est humain qu'un père fasse confiance à sa fille. Donc je vois pas du tout l'intérêt de lui dire ah on l'avait bien dit, hein, on l'avait bien dit. Hein. Voilà, ça n'a pas, il le sait, ça n'a pas d'intérêt. C'est quelqu'un voilà qui arrive qui a 91 ans, qui va avoir 92 ans. Je ne vois pas l'intérêt de remuer le couteau dans la plaie. Il en est persuadé, il le sait. Il en parle d'ailleurs dans ses mémoires. Après voilà, il en parle lui-même qu'il a fait une erreur de stratégie politique. Je pense que c'est pour ça que le népotisme n'est pas toujours bon. Moi, je ne suis pas monarchiste. Hein, je ne crois pas à l'hérédité en matière de gouvernance. Je pense que c'est justement systématiquement quelqu'un qui doit être sorti, en fait, qui doit être, pas dire prédestiné, mais je veux dire qui a eu la formation nécessaire, qui a eu le... C'est un destin. C'est comme un gardien de foot, j'allais dire. Hein. Pas tout ce gardien de foot, mais il y a vraiment des destins comme ça. Je ne crois pas en l'hérédité. Alors, l'enfant de quelqu'un peut aussi être tout à fait compétent. Mais je crois qu'il faut juger les compétences et je pense que Jean-Marie Le Pen, autour de lui, avait des gens comme Karl Lang, comme Bruno Gollnisch, qui auraient été beaucoup plus à même de maintenir à flot le grand courant de droite nationale qui était le Front National. Parce que souvent, on met en avant l'argument du charisme. On va dire, oui, telle ou telle personne avait peut-être la bonne ligne, mais n'avait pas assez de charisme pour vaincre. Oui, mais au moins, l'essentiel aurait été préservé. Et une présidentielle après... On a eu Hollande en président, on a eu Macron en président, et on va nous parler de charisme. Faut arrêter un petit peu. Très bon argument, effectivement. Oui, voilà, le charisme, c'est celui que les médias donnent aussi. Hein. Si on vous dit un tel est charismatique... Comme on n'aurait jamais reproché à Karl Lang de ne pas avoir de charisme s'il avait été invité aussi souvent qu'Emmanuel Macron. C'est vrai. D'ailleurs, c'est faux. Karl Lang ne manque pas de charisme, mais il est un peu effacé. Et donc, des gens disaient, voilà, par rapport à Jean-Marie Le Pen, il fallait trouver quelqu'un qui ait cette même gouaille, etc. Tout le monde a sa personnalité. D'ailleurs, moi, j'ai une personnalité assez différente de Karl Lang et on était tout à fait complémentaires. Donc, je pense qu'on a son individualité, on a notre caractère, on n'est pas forcément pareil, mais l'important, c'est quand même ce qu'on défend, ce qu'on dit, nos idées. Faut pas se focaliser sur la personne. Et moi, je n'ai aucune ambition individuelle. C'est-à-dire que toute personne qui sera plus à même que moi de défendre les idées de la droite nationale, de les diffuser mieux que moi, je serai tout à fait prêt à soutenir cette personne. On n'est pas dans l'exclusivité, dans le sectarisme élitiste, en disant c'est nous et pas les autres. Non, nous, on est prêt au rassemblement le plus large possible, un véritable rassemblement national. Mais qui est vrai, puisque le rassemblement national, Marine Le Pen, elle veut rassembler à sa gauche, et jamais à sa droite. C'est vrai. Justement, c'est à sa droite qui aura, je ne parle pas que de nous, mais je parle aussi envers les gens de droite qui votent encore pour la droite molle républicaine, ce genre de choses, mais qui seraient prêts s'il y avait un geste envers eux. Et c'est sûr qu'en ayant le programme économique de Mélenchon, comme les gens dont tu me parlais, ils ne vont pas être spécialement attirés. Le petit bourgeois de droite ne va pas être attiré. On dit bourgeois tout de suite, là. On entend déjà les fourches qui s'aiguisent. Non, il existe. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et qui n'ont pas envie que l'État leur ponctionne 60% de leur revenu. Il faut leur parler aussi à ces gens-là. Il faut leur expliquer aussi qu'on est contre la taxation excessive des gens qui gagnent de l'argent. Bien sûr. Je n'ai rien à reprocher à des gens qui gagnent de l'argent. Alors, ce qu'on peut leur reprocher, c'est de ne pas s'engager politiquement ou de ne pas aider. Parce que c'est vrai que d'aider ceux qui sont en première ligne, ça je lance un appel. Si vous avez un peu d'argent, rien ne vous empêche, c'est d'une manière très anonyme, et vous pouvez faire un petit chèque au Parti de la France ou à d'autres structures. Hein, je ne parle pas juste pour ma paroisse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont blindés de thunes. Vous subirez les mêmes problèmes que nous, que ça, nous dénonçons, et vous ne serez pas épargnés avec votre argent, à part peut-être vous pourrez aller à l'étranger, vous fuir, mais vous ne serez pas plus épargnés que les autres, que le prolo. Par l'invasion migratoire et le déchaînement de violence qui risque d'arriver de manière générale. La domination politique de la gauche parfois s'explique par des petits détails qui n'en sont pas, comme le fait que certains membres de partis de gauche donnent 5 ou 10% de leur salaire à la cause. Alors on peut trouver ça communiste, on peut trouver ça exagéré peut-être, mais... il y a une efficacité, il faut quand même dire qu'il y a de l'argent dans les caisses, quoi. Maintenant j'ai un peu d'expérience de gestion d'un parti politique, et avec peu de moyens, on peut faire beaucoup de choses. C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on on peut arriver à... Voilà, à partir du moment où on ne rémunère pas de permanent... Bon, après, je ne dis pas qu'un parti politique ne doit pas avoir de permanent. Mmh. Si on avait les moyens, on en aurait. Mmh. Mais on n'en a pas. C'est-à-dire que chaque euro qui est donné au Parti de la France est transformé en une activité politique. Oui. Voilà, c'est véritablement pour le fonctionnement du Parti de la France, même s'il y avait un permanent qui était rémunéré, mais là, on n'en a pas les moyens. Mm-hmm. Et là, je peux voir le côté, je veux dire, les coulisses d'un parti politique que depuis 10 ans. Effectivement, avec peu de moyens, on peut arriver à faire des choses. Par exemple, à louer une salle dans Paris, ça coûte une fortune. Oui. Et ben, ça, c'est l'argent des militants, c'est l'argent des adhésions. Mais je pense que les militants sont contents d'avoir un grand meeting contre l'immigration, sûr, chose qui n'a pas été faite depuis, je pense, des années et des années. C'est vrai. Sur ce thème. Ça permet aussi à des camarades qui habitent des régions différentes de se rencontrer. Le lien humain est important pour poursuivre le combat. Ces choses sont essentielles, bien sûr. Alors, en dehors de la question des financements, quel appel tu voudrais lancer au public en tant que nouveau président du Parti de la France? Qu'est-ce que tu attends des spectateurs? Eh bien, il y a un mouvement, il existe un mouvement politique qui s'appelle le Parti de la France, qui se présente, pour faire bref, comme le Front National canal historique. Voilà, le Front, nous continuons sur la voie de la droite nationale telle que l'avait fait Jean-Marie Le Pen. Alors, on n'est pas juste un groupe de nostalgiques et puis voilà, d'anciens combattants de la droite nationale. Non, nous estimons que on dit la vérité. Alors, quelquefois, elle n'est pas bonne à entendre. Hein, on préfère enrober le mensonge. On dit la vérité et on propose des solutions de salut public. Tout va empirer si ce que nous proposons, c'est-à-dire la remigration, principalement la désislamisation de la France, l'arrêt de cette politique économique totalement d'inspiration communiste, la ruine de la France, la soumission aux multinationales, au libre-échangisme mondial, qui fait que nous sommes les victimes de toutes les guerres commerciales internationales. Alors, je ne vais pas refaire tout le programme du Parti de la France. Et d'ailleurs, il sera disponible, le programme du Parti de la France, il sera disponible le 18 avril. D'accord. Donc, il y aura un programme qui sera présenté, qui sera distribué. Et donc, il y aura, donc sur quelques pages, ce n'est pas non plus un bouquin de 300 pages, mais voilà, sur quelques pages sera résumé les grandes lignes du Parti de la France. Si tout cela n'est pas mis en œuvre, on va arriver vers des heures très sombres, sans virer dans l'apocalypse, mais voilà, ça va arriver. Si rien n'est fait, si tout le monde se dit, reste dans son petite individualité en disant, bon, pour l'instant, ça va, je m'en sors encore à peu près, on verra un peu plus tard. C'est trop tard. Plus tard, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut créer un véritable pôle de rassemblement de la droite nationale et de faire, comme dans certains pays dont on a parlé plus tard, accéder au pouvoir, car le but n'est pas juste de faire de l'opposition pour faire parler de nous, mais d'accéder au pouvoir, de changer les choses, ne serait-ce que pour nos propres enfants, pour pas qu'ils vivent dans un chaos ethnique, un enfer qui sera absolument insupportable pour eux, où ils seront véritablement des sous-citoyens, on l'est déjà un peu, hein, le Gaulois est déjà un sous-citoyen, mais c'est exactement ce qui va arriver. Comment voulez-vous que les Gaulois puissent vivre sereinement en France quand ils seront minoritaires et que les musulmans seront majoritaires? Évidemment, ce seront des dhimmis, ils seront obligés soit de s'en aller, soit de se soumettre. Ça se passera comme ça et pas autrement. Donc c'est pour ça qu'il faut une prise de conscience et un engagement politique pour tous ceux qui le souhaitent, tous ceux qui le peuvent, selon leurs moyens, selon leurs possibilités, mais de vous engager politiquement. C'est un combat, ce sera le combat du 21e siècle, et si on ne le mène pas, on le perdra, c'est certain. On ne peut pas tout faire tout seul. Il y a des gens motivés au Parti de la France, des cadres qui acceptent d'être en avant, qui acceptent d'être en première ligne, donc aidez-les, on ne vous décevra pas, mais il nous faut des troupes. Bah écoute, pour aller dans ton sens, je voudrais faire une annonce pour terminer cette émission. On voulait faire deux parties, mais on a tout fait d'affilée. Le temps passe très vite avec Thomas, on a déjà 1h30. Je parle beaucoup. Non, mais c'était passionnant. J'ai décidé de rejoindre le Parti de la France et de prendre ma carte au Parti de la France pour m'engager auprès de Thomas et des siens. Pas seulement parce que Thomas est un ami, mais parce que j'apprécie et je voudrais féliciter, encourager la simplicité tonique de votre ligne. C'est-à-dire, nous sommes envahis. Et c'est insupportable, et c'est la chose la plus importante à corriger.
Bien et sûr. Finalement, il n'y a que ça. Et tout découle de là, de toute façon. De là, voilà, à partir du moment où on ne prend pas en compte l'immigration-invasion, qu'on pense qu'on va pouvoir réformer le système économique et social sans prendre en compte l'immigration, c'est une erreur absolue, c'est impossible. En tout cas, Daniel, je suis absolument ravi que tu prennes tu montres l'exemple en prenant ta carte au Parti de la France, que tu es un sympathisant du Parti oui, de la France. Oui, depuis longtemps. Mais... Même malgré tes égarements marinistes, qui, je savais, seraient très vite corrigés par la personnalité de cette bonne femme insupportable, dont maintenant tu es suffisamment lucide sur elle. Je savais très bien que tu étais sur la ligne du Parti de la France et que même si vous n'êtes pas d'accord avec toutes les options du Parti de la France, ne cherchez pas le petit quelque chose qui fait que vous ne soyez pas d'accord avec le Parti de la France. Si vous êtes d'accord sur notre ligne, sur la politique d'inversion des flux migratoires et de remigration, vous êtes d'accord sur l'essentiel. Bien sûr. Je ne vais pas dire que le reste n'est qu'un détail, mais c'est nécessaire d'avoir un programme complet, commun. Mais il faut se rassembler sur l'essentiel. C'est nous vrai. Sommes un mouvement de masse, un mouvement de rassemblement. Et je crois qu'à partir du moment où on est d'accord sur le fait que la France ne doit pas devenir une république musulmane africaine, voilà, et c'est ce qui arrivera dans peu de temps. Donc il est temps de se mobiliser, il est temps de s'engager. Donc merci beaucoup, oui, oui. Daniel, de nous rejoindre et de nous aider, puisque l'adhésion, même l'adhésion la plus basse, permet, comme je vous disais, de faire vivre le mouvement et me permet aussi d'accéder à organiser des réunions, ce genre de choses. Donc on va essayer d'organiser le maximum de réunions dans toute la France avec les différents cadres du Parti de la France pour que vous puissiez venir à notre rencontre. Parce qu'en général, quand les gens participent à une réunion du Parti de la France, en particulier les gens qui viennent du Rassemblement National, on ne peut plus rien dire sur quoi que ce soit, où le discours est très calibré pour le peu que tu fasses une blague un peu sulfureuse sur les homosexuels ou sur les envahisseurs. Ouais. Alors là, tu es fusillé pire que chez Mélenchon, pire que chez les gauchistes. C'est vrai, c'est vrai. Donc au Parti de la France, voilà, il y a une ambiance bon vivant. Il y a le plaisir d'entendre Gaulois, ce qu'on pense, qui est pas négligeable. Et voilà. Ouais. Et en général, les gens sont assez ravis. Les gens ils reviennent. C'est ça. Voilà. Si vous pensez que Thomas Joly s'est lâché aujourd'hui, venez au meeting. À mon avis, vous avez encore rien vu. Voilà. Oui, enfin, comme on dit, dans les limites de l'illégalité. Bien sûr, parce mais que, quand même. Après, j'ai pas envie de terminer le meeting entre deux policiers avec les menottes. Mais sans finir en prison, voilà. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut dire et qu'on n'entend pas à la télé. Exactement. Et donc, Jean-Marie Le Pen, lui, ne se pose plus trop de questions. sur ce qu'il peut dire ou ne pas dire, mais voilà, nous parlerons sans tabou et c'est pas le but, c'est de pas d'être outrancier. C'est de dire la vérité, ça arrive véritablement, c'est véritablement ça qui se passe et il faut connaître aussi le degré de haine de ces gens-là. Oui. Pas tous, mais je veux dire, d'une partie, l'affaire Mila a pu le voir, ce déchaînement de haine, de violence. D'ailleurs, on a vu là récemment aussi une vidéo d'une douzaine d'Africains qui massacrent un petit blanc à la sortie d'un collège ou d'un lycée, je ne sais plus. Une banalité maintenant. Une banalité, en France, ça arrive tout le temps, ça arrive tous les jours. Ça va être votre quotidien, ça va être le quotidien de vos enfants, plus en plus, partout, ce sera ça. Si, évidemment, rien n'est fait, rien n'est entrepris pour lutter contre cette invasion agressive, massive et haineuse. Et dans les meetings, tu l'as très bien dit, il n'y a même plus besoin de flirter avec les limites de la loi pour faire rire le spectateur. Si, par exemple, je vous dis que hier soir, en arrivant à Paris, j'ai vu un migrant noir faire caca dans la rue, eh bien, c'est vrai, j'ai vu un migrant noir faire caca dans la rue. Oui, à Paris, c'est courant. Ouais, voilà, je vous le dis, j'en rigole. Et pourtant, c'est la pure réalité à 100%. Je n'exagère rien, donc voilà. Bon, voilà, Paris sera toujours Paris. On aurait peut-être dû finir sur une note plus poétique. Voilà. Enfin, quand même. Voilà, merci pour ton travail. C'est l'immigration scatologique. Exactement. Merci pour ton travail et celui de tes militants. Je suis ravi de rejoindre l'équipe. Merci à vous, chers spectateurs. Merci pour ton invitation. Voilà, si vous avez apprécié l'émission, je suis sûr que vous l'avez apprécié. Vous partagez, vous likez sans faire de chichi. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain Vive l'Europe. Vive la France, vive l'Europe. À bientôt.